Un vent de fraternité et de solidarité souffle sur le rap français. L'after rap, le cercle, la récré. Qu'en pensez-vous ? Avant de commencer ton sujet, est-ce qu'on peut remercier déjà tous les gens qui nous ont suivis, qui ont liké, Il faut commencer par ça, il faut recontextualiser. Après, je ne parle plus pendant 10 minutes, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Non, je réitère pour les gens qui nous découvrent. Ouais, j'y suis presque, mais... Merci à tous les gens qui nous suivent, en fait, parce que cette histoire de la récré est un vrai amusement, une vraie récréation. C'est parti, en fait, d'une émission qu'on a fait avec vous, les garçons, à Grigny. On s'est dit que comme on se marrait bien, on allait se marrer une fois par mois. C'est pas un truc professionnel, c'est pas un truc carré. On est là pour se marrer, pour transmettre, pour échanger. Et merci à tous les gens qui partagent et qui like, etc. Franchement, ça fait grave plaisir et on espère qu'on va s'amuser encore une fois cette fois-ci. Voilà. Bon, merci, c'est pas la déléguée pour rien. C'est pas la déléguée pour rien, je vous le dis. Et merci aux invités, à Ami, à Fred, à Jean-Pascal, voilà, de nous rejoindre aujourd'hui. T'as oublié de dire aux gens de partager la vidéo. Oui, partagez, faites tourner, tout ça. Voilà, voilà, si vous kiffez, partagez, c'est cool. On te redonne la parole. C'est ma trousse. Tu savais ce qu'il y a à l'intérieur. Je répète, au cas où vous avez peut-être oublié. Un vent de fraternité et de solidarité souffle sur le rap français, l'after rap, le cercle, la récré. Qu'en pensez-vous, jeunes gens? Mais c'est quoi tout ça? Tu peux passer le micro? C'est quoi tout ça, tout ce que t'as cité là? Il y a un vent de solidarité qui souffle sur le rap français. Ouais. Tu vois? Il y a le cercle de Fianso. Voilà, qui vient, qui emmène des rappeurs connus, moins connus, et ci et ça. Il y a aussi maintenant l'after rap. Range tes mains. Voilà, je range mes mains, excuse-moi. L'after rap, c'est quoi? L'after rap, c'est une émission qui est sur le move. Qui est basée à peu près comme nous. Commence pas. Commence-moi, toi aussi. Et il y a la récré qui est la réunion de plusieurs médias aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc voilà. Un vent de solidarité. Voilà, qui est en train de souffler. Non, mais je sais pas. Les acteurs du rap n'ont qu'à parler. Moi, je suis pas un acteur du rap. T'es un acteur du cinéma. Ouais. Ça, t'étais loin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ami? J'ai envie de te dire, il était temps. Il était temps. C'est ce que fait Fianso. C'est plutôt cool, le fait de réunir des rappeurs de la nouvelle génération, des confirmés ou moins confirmés. Il était temps. Parce que c'est ce qui manquait. Au rap actuellement. Là, c'est concret, en fait. C'est pas des featuring par buzz. C'est vraiment tout le monde à sa place. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred ? Ah, mais moi, attends, on traversait tellement des périodes où c'était des clashs non-stop et tout que là, ce vent, si tu veux, fait plaisir. J'ai l'impression qu'on vit surtout... on a beaucoup parlé de l'âge d'or du rap français là, dans les années 95 jusqu'à 2000. Grosso modo, là, je pense qu'on vit un autre âge d'or. Et ça fait du bien, et avoir cette entraide quand il y en a un qui va chercher l'album d'un autre gars qui le publie aussitôt sur ses réseaux sociaux. Et je pense qu'on peut rien dire de plus, sauf qu'encourager, évidemment, et pourvu que ça dure, surtout. Mm-hmm. Temps limité, c'est parti. Je compte. Hein. Non, mais ça tue, évidemment que ça tue, le cercle ça tue. Et puis même ces émissions-là, il y a une émission comme ça sur le Move, il y a Cher de Get Busy aussi qui fait une émission comme ça. Enfin voilà, c'est pas nouveau ce genre de concept et c'est vraiment cool parce qu'effectivement, les cultures urbaines restent encore sous-estimées. Je le répète tout le temps et j'espère qu'un jour je n'aurai plus à le dire, mais c'est les premières ventes de disques en France, le rap, première vente de disques au monde. Et malgré tout, les acteurs de ce game sont toujours sous-estimés, sous-interviewés en médias généralistes. Et comme on le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est bien aussi qu'on fasse preuve d'un peu plus d'unité et qu'on essaie de s'imposer autrement, par nous, pour tous, en fait. Tu devrais jouer dans le cinéma parce que c'est beau, tu vois, c'est solennel. Parce que c'est magnifique. Non, mais c'est important. Ça, ouais. Moi, ça me tient à cœur, ça, en tout cas. Pour revenir juste au terme âge d'or, ça me pique un petit peu. Dire que c'est l'âge d'or, j'en suis pas certain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au niveau qualitatif, je suis... Il a une belle montre. Au niveau qualitatif, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'âge d'or en ce moment. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de rap zigzag. Mais qu'est-ce que tu veux dire par rap zigzag? Rap zigzag, t'as envie que je pique. Je suis le discret de la classe, moi je dois pas piquer normalement. Mais en fait là tu t'éloignes du débat parce qu'on te disait justement qu'est-ce que tu penses du fait... J'ai pas fini ma question d'accord, en fait. D'accord, je laisse finir. Si vous me coupez la parole, je pourrais pas finir, c'est ça. Je te laisse finir, fini. Donc, pour en revenir à ça, pour moi on n'est pas dans l'âge d'or du rap français, mais ce qui est positif c'est quand même le fait de se rassembler, de pouvoir... entendre dans un CD plusieurs rappeurs de plusieurs quartiers différents. Ça, je valide. Mais après, c'était juste par rapport au terme. C'est un peu le concept du cercle, justement, parce qu'il y a plein de rappeurs qui viennent de différents endroits qui consomment. Moi, j'espère que ce vent, là, comme on dit, ne va pas changer avec la saison. Pourquoi ? Parce que
Tu sais, moi, il y a des trucs, moi, il y a des trucs qui me... Moi, de toute façon, moi, je cherche toujours la petite bête dans les trucs comme ça. C'est que des fois, j'ai l'impression que c'est des coups de com. Mm-hmm. Des fois. Mais c'est des coups de com. Tu peux pas, tu peux pas, mais la démarche, elle est quand même assez... Elle est bonne. Elle est bonne, la démarche. Elle va pas durer. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ne pas changer avec les saisons. C'est-à-dire que là, on est dans cette mode-là, parce que pour moi, c'est une mode. Mm-hmm. C'est une mode pour moi. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde le fait, alors qu'on aurait pu le faire avant. Donc là, tout le monde le fait. Donc moi, j'espère que ça va continuer, tout simplement. Mm. Après, ça reste forcément une bonne chose. Non, mais c'est pas forcément une mode. Non, mais tu sais, moi, le problème, c'est que je... Quand je vais dire un truc, on va dire oui, tonton, t'es méchant, tout ça, tout. Franchement. Vous avez trois micros pour les trois, trois micros pour là. Je t'en prie, tonton Marcel, vas-y. Non, effectivement, je vais dire un truc, on va me dire tonton, t'es encore méchant avec eux, ces rappeurs-là, mais effectivement, ça va pas durer. Bah, disons-le tout de suite, tonton, t'es encore méchant. Ça, au moins, c'est fait. Non, c'est vrai, c'est la vérité, ça va pas durer parce que. Il faut être clair, il ne pourra pas inviter tous les rappeurs. Mmh. Et ce n'est pas tous les rappeurs qui vont accepter parce qu'il y en a d'autres qui ne voudront pas se mélanger avec d'autres. Donc, un vent de soupe, non, c'est, pour moi, c'est que temporaire. Quoi. Non, mais on parle aussi des émissions. Mais Fred, est-ce qu'on peut comparer ça, que tu as traversé les époques, tu vois, est-ce qu'on peut comparer ça à l'époque où on faisait première classe, où on s'invitait dans les compiles? Non, mais après, comparer, c'est toujours difficile, parce qu'en effet, sur ce que tu disais, il y a forcément des gens qui vont être nostalgiques d'une période, d'une écriture, etc., etc. Mais moi, je juge maintenant là, ce qui se passe, et je pense que de toute façon, il faudra du temps pour juger. Je pense que là, c'est encore un peu trop tôt pour juger. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on se dira, oh, mais quel âge d'or on a vécu là, dans ces années. Donc, c'est peut-être encore un peu tôt, mais je trouve qu'actuellement, parce que, et là où je suis pas d'accord avec toi sur les paroles, je trouve que tu vois, en plus là-dessus je suis assez partial, parce que je trouve qu'un album comme Damso, en termes d'écriture, je trouve que le niveau est quand même assez haut. Alors ça correspond à une époque, mais le niveau est assez haut. Tu prends même Ninho, tu prends des artistes comme Ninho, je trouve que l'écriture aussi est super intéressante. Ce n'est pas que de l'ego trip, ce n'est pas que juste tu vois donc je trouve que voilà, c'est pour ça que je le compare avec ce côté âge d'or qu'il y a pu avoir, en effet, dans les années, milieu des années 90. Excuse-moi, parce que c'est interactif, il y a des gens qui posent, ça parle d'âge d'or du rap français, citer les trois derniers albums classiques qui sont sortis. Bah, classique, justement, pour juger, c'est ce que je disais, ça va être, c'est trop tôt pour juger, mais je pense qu'un album, oui, comme Damso, pour moi, comptera parmi les classiques, voilà, dans 10 ans, je pense qu'on se dira, ah ouais, quand même, cet album a marqué. Voilà, je trouve que Ninho aussi, on n'est pas très loin, si tu veux, sur cet album qui nous a sorti. Mm-hmm. Et puis Niska, je trouve que l'album de Niska est fort. Orelsan. Attendez, cet album qui vient de sortir, Orelsan. On va en parler de Orelsan après. Non, mais. Est-ce que. Je vais pas l'envoyer au coin. Attends, quand Ideal J a sorti Le Combat Continue, dont tout le monde parle aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque on avait l'impression que c'était un classique? Pas du tout. Non, mais je suis pas d'accord. On kiffait, bien sûr qu'on kiffait. On s'est bousillé à cet album, mais il faut du recul. Voilà, et il faut du recul pour se dire l'âge d'or. À l'époque, on n'avait pas du tout l'impression de vivre l'âge d'or. Ok, peut-être que pour les jeunes qui ont 22 ans aujourd'hui, et ben l'âge d'or, c'est aujourd'hui, c'est 2017. Donc c'est complètement subjectif. Et voilà. Donc voilà. Tu parlais de Ideal J, le combat continue. Ideal J, le combat continue. Dès qu'ils ont commencé la promotion de cet album, tu sentais déjà qu'il y avait un truc. Ouais, mais on se disait pas que c'était un classique comme aujourd'hui, c'est pas vrai. Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est un. Et puis même en termes de vente, je pense que si on prend même le comparatif maintenant avec les ventes, si tu veux, le combat continue, c'est pas un album qui a super vendu au début non plus. C'est un album sur la longueur, qui va vendre sur la longueur. Donc c'est pour ça que dire maintenant. Voilà, quels seront les albums classiques à l'heure d'aujourd'hui, franchement? C'est trop tôt pour juger. On parle d'Ideal J, mais c'est normal parce qu'à l'époque, on se retrouvait en eux. Mais maintenant, on se retrouve pas dans ce. Mais ouais, mais t'as plus le même âge, mon tonton. Tonton, t'as quel âge? N'importe quoi. Y a Rizwan, de Rap Punchline qui nous regarde. Rizwan. On t'embrasse, ouais, toute l'équipe de Rap Punchline, ouais, on est ensemble. Mais tu t'identifies pas, mon frère, t'as 150 ans, tu vois ce que je veux dire? T'as perdu tes cheveux, t'as plus rien sur le caillou, attends, mec. Non, mais moi je pense qu'on vit quand même une époque d'âge d'or du rap. Voilà. Dans le sens où il y a quand même beaucoup d'albums qui sortent. Bon, la quantité n'est pas la qualité, mais on vit une époque très florissante du rap français. Et moi, personnellement, au niveau de la qualité et au niveau de la diversité, je trouve ça bien. Ouais. Je trouve qu'il y a des albums... tout va pas dans le même sens. Je pense qu'à un moment donné, vers le rap des années 2000, là, moi, je n'aimais pas trop ce rap-là.
parce que c'était trop ghetto. Moi, j'ai tué, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Aujourd'hui, il y a des rappeurs lovers, il y a des rappeurs... Il y a des rappeurs fiesta, il y a des rappeurs... On parle de toi, là. On parle de toi, là. T'as sorti un clip, là, dernièrement. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Non, mais alors, tout simplement, ce clip est l'extrait d'un film. C'est une scène d'un film qui s'appelle Coexister, avec Fabrice Eboué. Et dans ce film-là, il y a un rappeur gay. Et comme la scène du film était très marrante, ils ont extrait la scène... Et ils l'ont mis sur Internet pour faire la promotion du film. Mais c'est une scène du film. Je ne me suis pas levé comme ça. C'est un rôle d'acteur. Ouais. C'est un rôle d'acteur. Voilà, tu le précises, quoi. Ouais, je... Pourquoi tu... Il est marié, il a trois enfants, tu vois. Juliette, on parle de lui. Pourquoi tu justifies? Non, je ne me justifie pas parce que souvent, beaucoup de gens m'arrêtent dans la rue et disent « Ouais, mais ton clip, c'est quoi? Ah, c'est trop marrant, c'est machin. » Donc, je leur explique. Et puis aussi pour faire la promotion du film de Fabrice, parce que Fabrice, c'est mon gars. Mmh. Donc le film s'appelle Coexister. Et c'est l'extrait. Mon gars sûr. Il a dit. Non, bref. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est quand même une nouvelle période de l'âge d'or du rap, parce que c'est très diversifié. Et même moi qui suis quand même un vieux père, j'ai 37 ans, ben, je me surprends à écouter des gars comme 13 Blocs. Ouais. Comme je sais pas moi. C'est qui ça? Non, là il fait son autoproduit promo, tu vois. Non, j'écoute des trucs comme 13 Blocs, j'écoute même Jules, j'écoute plein de choses, tu vois. Et je sors, Jean-Pascal, tu sors. Non, mais attends, beaucoup de gens parlent mal de Jules, mais il faut savoir que Jules, c'est du rap, ok, mais c'est du rap pour la fête, tu vois, c'est du rap pour danser, pour machin, tout ça, et il en faut aussi. Et il en faut aussi du rap comme ça. Moi, au tout début, quand Jules est arrivé... Attends. Moi, je vais entendre Ami. Depuis tout à l'heure, vous parlez, je vais entendre Ami. Ami va prendre la parole. Il faut la laisser parler aussi. Mais est-ce que vous pouvez avoir les deux autres micros? À un moment donné, je comprends. Moi, Juliette, tu peux le dire autant de fois que tu veux. Il n'y a pas, je suis parti te chercher. Il n'y a pas. Tu as dit qu'il allait voir. Non, il n'y a pas, je suis parti. On nous a dit qu'on avait six micros. Je te dis qu'il n'y a pas. J'ai une question à vous poser, en fait. Je t'écoute. Il y a Kery James dans une interview qui parle du fait que la différence entre les artistes d'avant et ceux d'aujourd'hui, c'est que pourquoi les artistes d'aujourd'hui n'arrivent pas à virer, à remplacer les mecs d'hier, c'est-à-dire Kery James, Booba, c'est ça, c'est parce que peut-être que les artistes d'aujourd'hui manquent de vécu et manquent d'épaisseur et qui ne représentent pas assez des personnages. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, ça dépend de sous quel angle de vue on se place. C'est vrai que nous... Kery James, toute la mafia qui sont comme des grands frères. Pour moi, oui, il y a un vécu. Moi, je sais pas que je suis pas objective, mais vu que j'ai grandi dans le 94 avec eux, je sais que ce qu'ils disent dans leur texte, c'est vrai. On ressent un vécu et peut-être qu'aujourd'hui, c'est tu sais, tout le monde peut pas être voyou, tout le monde peut pas être bagarreur, tout le monde peut pas, à un moment donné, la musique n'est pas prédestinée à une catégorie de personnes. Parce que les gars se livraient. Tout comme il y en a peut-être qui dans leur texte mentent aujourd'hui. Mm-hmm. Tu vois, il faut savoir faire la différence entre cette fiction et cette réalité. Tu vois, il y a aussi un jeu d'acteur et peut-être qu'avant le rap était plus authentique. Aujourd'hui, c'est plus de l'entertainment. Aujourd'hui, voilà, avant, Kery James, il agit jamais, tu verrais des meufs en string en train de faire. Non, c'est impossible. Ouais. Le rap a évolué. Et je pense qu'il faut vivre avec son temps. JP, s'il te plaît. Déjà, on va remercier les gens. Il y a Dadou qui nous regarde du Brésil. Dadou du groupe KDD qui avait sorti. Donc, force à toi. Sinon, on m'a dit la tête de Fred, ça veut tout dire par rapport à Jules. Le quoi? La tête de Fred veut tout dire par rapport à Jules. C'est-à-dire? Quand on a parlé de Jules, apparemment, t'as fait une certaine tête. Non, j'étais en train de me servir un peu d'eau, j'avais soif. Ça n'a absolument rien à voir avec ma tête, mais on pourra en reparler plus tard, bien sûr. Notre sœur Ami aujourd'hui a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est que l'avènement de la mafia Kinfri dans les années 2000, c'était une bonne chose. Mais je pense aussi qu'ils ont gâté un peu le rap. Pourtant, c'est mes grands frères, hein, je les connais tous. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que la mafia Kinfri est arrivée avec un délire. Ouais, nous, on fait ça.
nous on fait ci, nous on est comme ça, nous on est ghetto. Et après tout le rap français. Mais non. Quand tu penses que c'est eux qui ont influencé le rap français, pas du tout. Je pense que le, non, je pense que la mafia Kinfri ont amené quelque chose qu'il n'y avait pas dans le rap avant, et c'est ce côté-là qui a un peu perverti le rap. Avant, on s'en foutait que tu rappes, que tu dis. Non, je suis pas d'accord. Attends, j'ai pas fini. Mais non. Quand t'écoutais la mafia underground, ou quand t'écoutais les Little, ou je sais, ils venaient aussi du 9-4. Mais ce qui nous intéressait, c'était le flow, nanana. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais ma foi qu'après, ils ont raconté ce qu'ils vivaient et tout. Mais après, il y a eu trop de moutons qui sont partis dans ce délire-là. Ouais, le rap, c'est devenu des casiers judiciaires, mon frère, les morceaux. Quand tu penses que le clip... Pour ceux... Oh là là, il a tout influencé. Il a gâté le rap. Tu penses qu'il a... Eh, nous, c'est pas la mafia Kinfri qui nous a inspiré, nous. Moi, je me souviens à l'époque, parce que moi, je suis originaire de Grigny. Nous, c'était les MKC. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. C'était les mecs, comment ça s'appelle? C'était les ministères... C'était la... Comment ça s'appelle? Les ministères amers, nous, qui étaient justement nous qui nous inspiraient plus. Après, ils sont arrivés derrière, comment ça s'appelle, la mafia Kinfri. Sinon, nous, à l'époque, regarde, moi, je vais avoir 40 ans, mais sinon, moi, c'est là. Tu les fais pas, C'est vrai, c'est pour ça que je suis beau. Hein, je vais réagir. Bah ouais, tu passes le micro à Juliette pour après. Je suis pas forcément d'accord avec JP. Tu dis que la mafia Kinfri ont perverti le rap. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, c'est quoi l'essence du rap? C'est quoi la base du rap? C'est un message déjà à la base. Mais eux, ils ont. Oui, mais et alors? Mais attends, mais c'est pas vrai. Après, peut-être que moi, bon, j'écoutais pas, j'étais peut-être trop jeune, mais je veux dire, eux, ils ont parlé de leur vécu. Ça plaît pas, tout le monde n'est pas obligé de suivre. Il y a plusieurs courants dans le rap. Et ça, je pense qu'on a eu du mal à l'accepter. Et qu'aujourd'hui, pour être rappeur, thug, faut vraiment être thug. C'est pas vrai. Il y en a plein qui s'inventent des vies. Il faut savoir faire. Je veux dire, c'est comme un chanteur de variété. Il raconte des choses, il faut faire la part des choses. Après, il y en a qui exagèrent peut-être. Mais en tout cas, tu crois que, je sais pas, moi, il y a des rappeurs américains. Qui racontent des choses de gangsta, c'est pas vrai, ils sont millionnaires, c'est pas vrai. Mais Jean-Pascal, là, c'est pas dans le 9-4. Juliette, elle veut réagir. Fais attention dans le 9-4. Parce qu'on parle. Juliette, elle veut réagir. Faut pas dire du mal sur ma fête Kinfri. Il y a un Mickey là, c'est même pas ça, c'est qu'à un moment donné, je trouve qu'on est à côté, je suis d'accord avec toi, Ami, on est complètement à côté du sujet par rapport à la mafia Kinfri. À l'époque, en fait, t'avais le rap qui faisait partie d'une culture qui était hip-hop. Ça veut dire que les rappeurs, c'était un peu des zoulous, en fait. Les mecs étaient en mode à chipper, à choper, etc., etc. Non, non, mais attends, non, laisse-moi finir ma phrase. J'y vais. C'est toi le perturbateur. À un moment donné, le rap, pendant des années, le rap, c'est identifié au Kinfri. Voilà, fallait avoir des baguilles, être en mode zoulou, des dents en or, etc. Et puis, une nouvelle vague de rap qui est arrivée, qui était le rap français, le rap terre-terre, dans lequel j'inclus Express D, j'inclus... Avec ta tête, t'es chiant. J'inclus la mafia Kinfri, qui était un rap qui n'avait pas de prétention à ressembler aux artistes américains. C'était du rap français pur et dur. En plus de ça, les mecs n'étaient pas que des narrateurs de choses qu'ils ne vivaient pas. Pour le coup, je vous rappelle quand même qu'il y a Las Montana, Maman, Rude Lion, Paix à leur âme, quand même, qui ont payé de leur vie, en fait, parce que les mecs étaient à la fois dans la street réellement et à la fois dans un studio. Ils racontaient pas la vie des autres. Eux vivaient des trucs, et Kerry, dans Les Quatre Visages de Kerry d'ailleurs, on a beaucoup parlé justement en disant que ce qui s'est passé au sein de la mafia Kinfri et toute la racaillitude de la mafia Kinfri les a dépassés, en fait, à un moment donné. Donc ça, c'est une réalité, c'est le ghetto français. Et par ailleurs, même si les mecs ont raconté des trucs de deal, etc., c'était une, leur quotidien, et pour les avoir fréquentés beaucoup et amis, toi aussi, tu vois, tu les as vus en tant que grand frère. À l'époque, on évoluait ensemble, ils racontaient pas l'histoire des autres. Et par ailleurs, même quand c'était racailleux, sur les albums, on parlait tout à l'heure d'Ideal J, il y avait des choses qui étaient racontées. Sur les albums de Rof, il y avait des choses qui étaient racontées. Sur les albums de Intouchables, La Nuit, Je ne dors plus, etc., c'est des gros classiques. Donc c'était racailleux, mais les mecs racontaient des choses. On n'était pas que dans l'ego trip de « j'ai une meuf qui a un gros cul, je dépense je sais pas combien de bouteilles de champagne en chicha, etc. » Et on est dans le creux. Aujourd'hui, quand même, franchement, c'est pas comparable avec la mafia Kinfri qui fait aujourd'hui en ego trip. Les codes ont changé. Voilà, ça y est, je me tais. Je vais au coin ou pas? C'est trop. Là, j'ai l'impression d'entendre que des dinosaures depuis le début. Non mais après les temps. Non mais c'est pas ça. Mais comme le citait d'ailleurs un célèbre prophète, les temps changent. À l'époque c'était différent, maintenant c'est différent. Non mais voilà, c'est aussi le reflet. Je pense que cette musique est aussi le reflet d'une époque, quoi. Bien sûr. Tu vois, on n'est plus dans la même époque. Alors oui, c'était très bien cette époque, il s'est passé quelque chose, ils ont fondé, en tout cas ils ont été fondateurs, évidemment, même la mafia Kinfri. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec ce que raconte Loli Brius qui est ici, qui dit n'importe quoi, hein, monsieur Zadi, mais en même temps, on a l'habitude. Calme-toi là.
On a l'habitude, mais... Il faut qu'on passe à l'autre thème aussi. On a... JP, non, mais... tu peux passer le micro à Barberousse, s'il te plaît. Non, non, mais... Merci. Bien fait. Bien fait. Non, mais de dire que ça a ouvert à des tas d'autres gens. Non, ils ont raconté leur vie. C'était quand même les albums. Moi, je me souviens d'un concert qui était juste incroyable, Idéal J. L'Élysée-Montmartre. Enfin, t'avais une espèce de tension, puisqu'il y avait eu le décès, malheureusement, de Las Montana le lendemain. C'était le matin même où t'avais l'enterrement, où t'avais cette espèce d'Élysée-Montmartre. Et ben, tu voyais que ça plaisantait pas, quoi, sur scène. Enfin, les mecs n'étaient pas là pour plaisanter, quoi. Il se passait quelque chose. Pour revenir, parce qu'on s'est un peu écarté du sujet, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que déjà. On est que des vieux ici. Voilà. Déjà, pour commencer, et les codes ont changé. Ouais. C'est-à-dire que les petits de maintenant, moi je bosse avec les petits au quotidien, ils sont dans la bicrave. Ils sont dans les soirées, on paye des bouteilles alors qu'on ne peut pas aider notre mère à payer le loyer. Ils sont dans ça. Donc c'est pour ça que le rap de maintenant, il est comme ça, tout simplement. Après nous, ça nous choque parce qu'on est des anciens. Mais je pense que chaque ça génération... Ça ne nous choque même pas forcément, non, parce pas qu'il y a des bonnes choses dedans aussi. C'est différent des codes que nous, on avait à notre époque. Je pense que c'est la dernière intervention. C'est la dernière intervention. Après, thème. Non, mais là, je tombe des nues. Je l'ai piqué un peu. Ah, là, je tombe des nues. Calme-toi, on passe à l'autre thème, mon frère. Calme-toi. Mon gars, sûr qu'à côté de moi, je me dis, les codes ont changé, les petits, ils bicravent maintenant. Mais attends, moi, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, mes grands frères, tu vois, les gens étaient déjà dedans. Le truc qui m'énerve... Attends, le truc... Voilà. Le truc qui m'énerve, c'est que maintenant, c'est quelque chose qui est glorifié. Et là, moi, j'ai rien contre la mafia Gainfry. Je dis juste que c'est eux qui ont changé la donne en mettant ça en avant. Alors que les gens ont toujours... En français et pas New York. Mais évidemment, en étant français. Mais ils ont mis ça en avant. Et aujourd'hui, on va dire le sale état et la sale mentalité. Hein, ça vient, c'est à cause de Mokobé. Il est où? Non mais attendez aussi, il faut... En plus, mon premier, c'est le plus cool, c'est n'importe quoi. Non mais juste là-dessus, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi. Non mais oublions pas aussi un truc, parce que là on donne des grandes leçons de morale sur le rap français, mais rappelez-vous aussi les années 90 avec le rap américain et tout ce qui se passait à la West Coast, moi je suis désolé. Doggy Style, c'est l'album, c'est 93 je crois, 93 si tu veux. Ah oui, c'est pour nous ça. Bon, c'est début des années 90, mais... Voilà, le rap aussi, et puis le rap français aussi à cette époque était quand même beaucoup plus marqué, j'ai l'impression, était tourné aussi beaucoup plus vers les États-Unis aussi, hein, donc ça correspond. Vraiment, c'est très dur de comparer à chaque fois les époques, et en effet, comme l'a souligné le vieux monsieur qui est à ma gauche ici, avec une moustache, méfions-nous parce qu'on est une table de vieux. Sauf Ami et sauf Juliette. Voilà, merci beaucoup, ça c'est bien, merci. Juliette et les jeunes, attention. Mais... Et puis au-delà de ça, encore une fois, on l'a dit la dernière fois, mais on a réussi le pari. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on n'était même pas un style musical. Donc encore une fois, aujourd'hui, le rap est devenu un style musical à part entière, avec dans toute sa diversité. Donc il y a un spectre hyper large. Tu peux dire aujourd'hui que la section d'assaut ou Maître Gims, bah, c'est du rap à la base, ok, d'accord. Quand t'as Binta, D'Alonso ou même là, la Elvira, etc., bah ouais, c'est des mecs du rap qui font ça. Mais en plus, j'aime bien, c'est d'une efficacité redoutable. Mais... Et puis après, t'as Ninho, t'as Kalash Criminel... T'as Niro, t'as plein de... Et c'est hyper large. On va pas pleurer là-dessus, puisque c'est une bonne chose, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, t'as du rap variété, t'as du rap ghetto, t'as du rap plein de sortes de rap voilà, différentes, et c'est bien. Des gens, parce qu'on n'est pas tout seul. J'ai un micro déjà, donc merci. Il nous manque deux micros. Anthony, pourquoi tu veux pas donner... C'est la meuf, elle fait une obsession. Mais tu m'as dit qu'il y avait 6 micros, Booba. Donc, il faut parler des réseaux sociaux, YouTube et les streamings qui jouent aussi sur la musique actuelle. Il est drôle, l'acteur. Bah oui. Et l'impact, de Skyrock, on en parle. Pardon ? L'impact de Skyrock sur le rap, est-ce qu'on en parle ? On peut en parler, ouais. Coucou Juliette, tu es au top. Encore merci, big up à toi. Tout à fait d'accord avec Juliette. Elle s'appelle Linda. Merci Linda. Ouais. Oxmo, il dit, c'est qui Juliette ? C'est elle. Oxmo Puccino, le vrai ? Non. Après, il y a Dadou. Je vis l'époque comme une célébration de notre culture. Toutes les disciplines du hip-hop sont en effervescence. Il y a du rap pour chaque humeur. Voilà, c'est tout. Il a raison. Je pense que c'est une bonne conclusion, d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Changement de thème. Jingle, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Regardez, écoutez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez sur vos réseaux. Avant de continuer, je vais refaire les présentations, parce qu'il y a des gens qui sont venus en cours. Donc, vous avez ici M. Black 10, le professeur. Dépassé, moi je suis dépassé par dépassé. Il me dépasse. Vous avez Barberis qui est là. Le pertinent.
Le pertinent. Burberry, il fait la gueule, hein. J'ai pas, il est énervé. Non, non, mais c'est parce qu'il a dit les... Il a, il a. On a ici Monsieur JP, oh, l'acteur. Vous me présenter. Acteur et réalisateur. Acteur et réalisateur. Ouais, producteur. On a Monsieur Tonton Marcel. Voilà, découvreur de talent. Comme d'habitude, hein. Mmh. On a Ami qui est là. Bonsoir. On a Monsieur Fred de Skyrock. Rebonsoir. On a Juliette qui est là. On a Max Penn qui est là, et moi-même, Grace. Donc, je te laisse enchaîner, mon frère. Yes, Orelsan, la fête est finie. Disque de platine en 7 jours, dont le single basique qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Que pensez-vous de cet avènement? Que pensez-vous de... On disait qu'on vendait plus de disques physiques, ci et ça. Ben, Orelsan va à l'encontre de tout ceci. Car disque de platine en 7 jours. Moi, je ne vais pas beaucoup parler sur Orelsan. Orelsan, c'est un gars qui vient de Caen. On se connaît. Non, on se connaît, lui et moi, parce que moi aussi, j'étais à Caen. Ok, d'accord. Et je veux dire que moi, personnellement, le rap d'Orelsan, ça ne m'a jamais touché. Son rap, son flow, son truc, le rap des classes moyennes, je ne sais pas quoi, ça m'a eu. Ça ne m'a jamais touché, franchement. En même temps. Ah non, non, mais je te parle honnêtement. Jules, j'aime bien parce qu'il me fait danser. Mais comment il s'appelle il te fait pas danser. Oui, le dernier truc basique était pas mal. Pour la première fois de ma vie, j'ai... Danser, juste montrer comment tu non, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté un truc de Orelsan du début à la fin et le clip était bien fait. Mais normalement, normalement, quand je vois ces trucs... Et non, moi, Attends. Dis-moi, est-ce que t'as écouté l'album avant de porter le jugement que t'as là? Est-ce que j'ai écouté l'album de Sardou? Si l'album de Sardou sort, je vais pas écouter, non. Hey, passe le micro à Barbery, je vais t'entendre. Hey, je vais me lever, je vais prendre du liquide. Un peu changer de place, vous pouvez. Barbery. Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a du rap pour tout le monde. Lui, il est en train de nous montrer qu'il y a une autre forme de rap. Et il est aussi en train de nous montrer qu'on peut faire 50 000 sans acheter les vues, sans acheter les disques, sans acheter les streamings, donc c'est mortel. Après, c'est un autre public en plus. Enfin, Orelsan, c'est encore une autre histoire. Si tu veux qu'on décortique cette histoire, d'une, c'est mérité parce qu'il écrit très bien. On aime, on n'aime pas, le mec écrit, il rappe, etc. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus et c'est un super bel album. Non, mais si, c'est vrai. Non, après, si tu préfères un mec qui dit si j'aurais pas écouté mon cœur, qu'est-ce qu'il croit, t'as vu, je sais pas. Il y a plus de. Tu vois, mais après, Jules, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Mais à un moment donné, Orelsan, il écrit t'aimes ou t'aimes pas, c'est un fait. Et par ailleurs, Orelsan, bah, finalement, a réussi, lui, à toucher. Alors, je ne sais pas, et encore une fois, on va me pourrir la gueule certainement pour ça, mais je sais pas s'il y a une histoire aussi de couleur en plus du talent là-dessus. Okay. Mais Orelsan, finalement, c'est un petit gars de province, blanc, etc., dans lequel finalement des gens qui n'écoutent pas forcément de rap peuvent s'identifier aussi. Et donc, tu as pas mal de gars du rock, des cultures alternatives, du surf, des mecs un peu punk, etc., qui adorent Orelsan. Non, mais si, c'est vrai, mais bien sûr. Mais oui, mais tu as une clientèle, tu sais, les gens qui sont dans la glisse, par exemple, écoutent un certain style musical. Non, mais tu te fous de ma gueule, Barbery, c'est super vrai. C'est... Moi, non, je glisse pas, moi, ça glisse pas. Mais Orelsan, juste pour terminer là-dessus. Mais non, je parle pas trop. Tu peux pas développer un schéma de pensée en trois phrases. À un moment donné, je fais court, mais je dis juste qu'Orelsan, c'est mérité d'une parce qu'il écrit bien, mais de deux parce qu'il touche aussi d'autres personnes que des gens du rap game. Et donc, du coup, tu as peut-être des gens qui ont acheté l'album de Julien Doré et qui vont aller acheter l'album d'Orelsan. Ce qui est plus simple pour un mec de la. Enfin, voilà, il est plus proche des gens de la variété qu'un Nino qui, à mon avis, je doute qu'un mec qui écoute Michel Sardou aille acheter l'album de Nino. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis à la salle de sport, tu vois, à la boxe ou à la musculation... Ouais, précise. Ah non, je précise les gros bras, bien tout ça, ce que je veux dire. Mon coach, il me dit, Tonton, est-ce que t'as écouté l'album de Orelsan? Non, je ne l'avais pas écouté. Mais après, quand je suis rentré à la maison, j'ai écouté, je dis, non, le mec là, il est lourd. En plus, c'est le titre de l'album, c'est La fête est finie, c'est ça. Il faut dire, il est venu mettre le rap. D'accord. En 7 jours, disque de platine, c'est rare, tu vois, à part mettre Gims qui le fait, c'est pas, tu vois, ce que je veux dire, dans chapeau à lui. Faut qu'on laisse Ami aussi s'exprimer sur ce thème-là, dis-nous. Mais écoute, pour être franche, moi, j'ai pas écouté, j'ai écouté juste un titre avec mon beau-frère, là, en rentrant du ping-pong, et c'était un titre où, sans refrain, où il parlait de la vie en général. Il disait, faut que tu grandisses, il disait une leçon de morale à un adolescent, et j'ai trouvé, bah, la plume, il n'y a rien à dire. Ouais. Et comme moi, je suis plutôt fan des lyricistes, et ben, je trouve qu'il écrit très bien. Fred. Voilà.
faux, c'est quand même qu'on vient d'avoir, c'est Camille fait du ping-pong quand même. Ouais, c'est ça, exactement, j'allais rebondir dessus. J'allais rebondir dessus, elle fait du ping-pong. J'allais dire de... J'aimerais... ping-pong. J'aimerais juste qu'on s'arrête là-dessus, parce que quand non, même. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas j'aime bien. Elle est classée 15, hein. Ouais. Ok, mais ce que je veux dire par rapport à Orsan, très bonne info. C'est merci, que merci. Son album, moi je trouve qu'il est bon, mais c'est pas l'album de l'année. Il y a beaucoup trop de bruit autour de lui. C'est-à-dire que l'album de Sadek, par exemple, qui est sorti, voilà, qui est, moi je trouve que l'album de Sadek est plus réussi que l'album de Orsan, mais il y a un bruit. Moi, je trouve que, honnêtement, et je rejoins Ami là-dessus, je trouve qu'en termes d'écriture. Alors, après, oui, ce qu'on pouvait peut-être reprocher à Orelsan, en effet, je trouve sur les deux précédents albums, c'était un côté un peu prod. Je trouvais que les prods étaient parfois un peu. Pouvaient vieillir très vite, en fait, sur les deux. Et là, je trouve que. C'était pas assez renouvelé, quoi. Non, mais Scred, mais le problème, c'est pas ça. C'est que Scred, à un moment, t'as un mec qui fait tout un album, et je pense que c'est compliqué pour un seul mec de produire sur l'ensemble des morceaux. Et là, je trouve que ce qu'ils ont fait, en tout cas, sur ce troisième album, et ce qui est intéressant, c'est que c'est encore Scred qui est au contrôle, mais qui a été aussi chercher d'autres mecs qui ont parfois fait des arrangements. Et je trouve que ça joue aussi même sur, en termes de qualité de prod. Et puis, en termes d'écriture, je trouve que là, il est arrivé quand même à un niveau... je ne sais pas d'ailleurs si vous avez écouté les morceaux, que ce soit La Fête est finie, que ce soit Tout va bien, qui est un morceau quand même très prenant, si tu veux, avec ce titre où tu as l'impression que tout va bien et quand tu écoutes les paroles. Tout va mal. Ouais, tout va mal. Non, il y a des morceaux, je trouve qu'il atteint une excellence là-dessus, quoi, et ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qui veulent interagir. Juste avant de prendre la parole, Juliette. Je sais qu'à chaque fois, je me fais allumer juste là-dessus, mais sur les blancs, les noirs, moi, il n'y a pas de racisme, tu vois. J'aime les blancs. On n'est pas dans ça. J'aime les babtous. Mais il y a une réalité. La caution ce soir. T'es notre discrimination positive. Mais il y a un truc. Attends, juste, il y a un truc qui est clair. Et ça, on est en France, on va pas mentir. C'est aussi le truc de Jul. Aujourd'hui, on en parlait avec James la dernière fois, etc. À un moment donné, t'as certains rappeurs, notamment, donc évidemment, Orelsan, et puis. Ah merde, Nekfeu. Les mecs, ils ont 3 pages, 4 pages dans les Inrecuptibles. Ils sont reçus chez Ruquier en grande pompe. On les traite comme des génies. Sauf que Kery James, à un moment donné, qui écrit tout aussi bien et qui a 25 ans de carrière, à un moment donné, il n'est pas reçu tout à fait de la même façon. Donc il y a aussi une histoire d'identification et il y a une histoire de visibilité médiatique. Et effectivement, tant que les directeurs de médias seront blancs, soixantenaires, voilà, et ignorants, finalement, d'une certaine culture, évidemment, ils auront tendance inconsciemment à mettre en avant. Plus un Orelsan, un Nekfeu, etc. Il y a des gens quand même qui regardent. Mais il le mérite quand même, Orelsan, on fait l'émission pour eux aussi, donc c'est bien de dire ce que tu dis. Je voulais juste dire un truc, c'est que Nekfeu en parle aussi de ça. C'est-à-dire que c'est pas... On ne fabule pas. Il dit comme quoi le fait d'être blanc et d'être identifié, ça lui ouvre des portes. C'est lui qui le dit. Déjà, il y a des messages qui viennent du Cameroun. Il y a des gens qui nous saluent du Cameroun. On dit... pas ping-pong, on dit tennis de table. Si. Donc, c'est vraiment du ping-pong. Non, c'est vrai. Bah ouais, ça dépend. T'as fait du basket avec tes frères, là, putain. Ping-pong, c'est physique. Ah oui, j'ai fait du ping-pong. On nous suit depuis Montréal aussi. Voilà. Tabernacle. Très fort. Auxerre, des gens d'Auxerre aussi qui sont là. On dit que c'est un retour pour Orsan, donc forcément plus d'impact médiatique. Dédicace à Nico John, je sais pas c'est qui, trop bon. Elle a raison, Juliette, sur le côté couleur de peau. Orelsan fait du rap pour les mélomanes éclectiques. Juliette, t'as vraiment un sacré cerveau. Mais pourquoi on parle toujours de toi à chaque fois, Juliette Moi. Attends. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, sur, hein, c'est pas que tes messages. J'aime la pertinence de la tantine. Elle a raison. Question à Juliette et Fred. Qu'est-ce que vous faites pour le développement du rap des jeunes qui émergent en underground? Il y en a qui font du bon rap, mais n'ont pas la chance d'être exposés. Bon, allez. Alors. Attends, laisse-le répondre. Alors, attends. Laisse-le répondre. Je sais pas, non, mais après, il faut toujours justifier qu'est-ce qu'on fait. Écoute, moi, je pense que voilà, ça fait 20 ans que je fais de la radio, ça fait 20 ans que je fais Planète Rap. On peut toujours dire, machin, qu'est-ce que t'as fait pour le développement? Je sais pas, j'ai l'impression de faire à chaque fois, chaque soir. Alors, il y a peut-être des artistes pour qui c'est plus évident, d'autres pour qui c'est moins évident. Là, par exemple, c'est vrai que cette semaine, c'est Solar. On va me dire, oui, mais c'est Solar, machin, il a tout un parcours. Mais il y a, voilà, quand on fait une semaine Planète Rap, il y a parfois des risques où pendant une semaine, on reçoit un artiste qui n'est pas ou peu connu, si tu veux. Donc voilà, moi j'en ai marre en fait de me justifier là-dessus en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je fais, si les gens ne voient pas, c'est pas grave. Je serais en tout cas content de mon bilan si je devais m'arrêter, même là, d'ici quelques mois. Mais tu fais MC Solar, c'est lourd. Qui a dit que MC Solar, c'était pas lourd? Non, mais parce qu'on parlait de développement, en fait, de développement d'artistes. Donc Solar, on va me dire, oui. Mais
Après. Non, mais au lieu de parler du Planet Rap, parce que le Planet Rap, c'est quand même. Alors, je travaille pas à Skyrock, mais c'est quand même aussi un deal avec la programmation, etc., qui est pas tout à fait. Tu vois, qui fait partie d'une politique globale de Skyrock. Mais tu fais quand même la nocturne. Et c'est vrai que dans la nocturne, tu joues un nombre incalculable d'artistes qui sont absolument inconnus au bataillon, qui ont même pas de maison disque, etc., etc. Je pense que ce que tu fais, ta part, en fait, je vois que tu l'as fait dans la nocturne, en fait. Tu joues quand même. Avocat. 15 ans. J'aime pas ça. Non, mais de toutes les façons, ça sert à rien de faire l'hypocrisie parce que Fred de Skyrock, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non, de Sky, de Sky. Presque tous les rappeurs qui rappent ont écouté dans leur jeunesse Planète Rap ou le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc en ce sens-là, il a fait déjà pour le rap français. Puisqu'on était au lycée, on écoutait déjà le Planète Rap Ideal J. Moi, j'ai 37 ans. Moi, j'aimerais remercier Fred de Sky parce qu'il a passé mon artiste Kolona Black. Voilà. Ouais, toi, c'est ça ton problème de tout à l'heure, toi. Non, mais bref. Donc, voilà. Moi, je pense que Fred, il a pas besoin de se justifier en faisant son truc. Voilà, en faisant son truc, il a influencé des gens. Qu'on a tous autant qu'on est dans le studio, là, on a tous écouté Planète Rap. Attends. Qui se rappelle du premier Planète Rap qu'il a reçu pour son Planète Rap à Skyrock? Qui se rappelle de ça? Toi, premier? Moi, je me rappelle. C'est qui? Le premier, c'était Bustaflex. Bustaflex, janvier 98. Exact. Oh! Magnifique. Janvier 98. Les vieux ont la mémoire. Et on a gagné la Coupe du Monde après. Eh, commence pas toi. Voilà, et on a gagné la Coupe du Monde, tu as raison de le préciser. Attends, il y avait un message qui était pas mal. Vous, les médias rap, je pense que vous avez une tendance à boycotter les artistes émergents et c'est très compliqué pour ceux qui ne sont pas connus. Parce que beaucoup demandent de l'argent pour faire tourner un son, il y a une réalité claire. C'est faux ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, au contraire, c'est plus facile qu'avant. Est-ce qu'honnêtement, si en ces 20 ans, j'avais pris de l'argent, je serais là encore ce soir? Non, je vous le dis. Je serais au soleil en train de me la couler douce. Non, mais ça, alors ça aussi, pareil. Mais ça, j'ai arrêté de répondre parce qu'il y aura toujours des gens qui croiront. Et plus, en fait, plus, je me suis aperçu qu'en plus tu réponds à ces genres de questions, plus les gens après ont des doutes. C'est-à-dire que tu es dans une période où tu doutes de tout. Donc forcément, tu vas encore apporter de l'eau au moulin. Tu vas dire, ah, mais s'il a dit ça, écoutez, à un moment, il n'a pas été très précis. Donc, non, mais c'était. Mais j'y suis. Regardez, hop. Allez, hop, on y est. On n'en parle plus une bonne fois pour toutes. J'ai des triangles et j'égorge des poules à la maison. Voilà, donc comme ça, au moins, tout est clair. Mais, on passe à la suite. Mais non, c'est. Pas fini de le laver, Orelsan. calme-toi, on laisse ça, c'est fini. Moi, je voulais le laver. C'est difficile pour les artistes. Moi, je sais que par exemple, sur RFI Couleur Tropicale, on reçoit en plus, comme c'est mondial, on reçoit des titres de partout dans le monde. Toutes les semaines, on se fait des séances d'écoute. On a au moins 600 titres à écouter par semaine. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, on l'a tous vécu. Moi, j'ai été aussi manager de groupe. Et bah ouais, tu vas frapper aux portes, etc. Parfois, sur des gros médias, il y a des deals marketing et pas forcément. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, il faut faire des vues sur YouTube. Il faut se faire connaître. Il y a un tas d'autres moyens. Mais en même temps, il faut arrêter de croire que si on nous paye, voilà, on va du coup vous rentrer en playlist. Déjà, nous, on est animateurs et journalistes, donc en plus, on détient même pas les clés de la programmation des médias dans lesquels on travaille. Et en plus de ça, ouais, mais c'est important parce qu'en fait, les gens pensent que c'est juste nous qui décidons des playlists, ce qui n'est pas le cas. On va essayer de pousser, on va avoir nos coups de cœur. Et aussi vieux qu'on puisse être aujourd'hui, on est encore en train de regarder sur le net, etc., les nouveaux trucs, etc. Mais tu les regardes aussi en fonction des clics, tu fais tes découvertes, tes trucs, on essaie de découvrir un maximum d'artistes. Mais il faut comprendre aussi que c'est pas simple quand tu te manges 500, 1000 titres par semaine, parfois. Tu l'écoutes, tu essaies de répondre aux gens. Les gens que tu ne connais même pas, tu leur réponds sur le net, ça part de partout, Snap, Insta, Facebook, etc. C'est juste, on n'est pas surhumain non plus. À un moment donné, en plus, pour le coup, pour bien connaître tous mes collègues, tout le monde essaie en fait de répondre et de respecter les gens parce qu'ils nous ont donné leur travail, etc. Mais il faut arrêter aussi les vieilles légendes de « on est grand décideur », etc. Et on demande de l'argent pour passer des titres. C'est pas vrai, quoi. On fait aussi ce qu'on peut, en fait. Juste un truc important aussi. Il faut que certains sachent que ce ne sont pas les médias de nos darons, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes peut-être exposés, on est en avant, mais nous ne sommes pas les décideurs. C'est-à-dire que moi, je prends pour mon cas, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup de liens, pas ça. À un moment donné, on a quelqu'un au-dessus de nous et malheureusement, on ne peut pas passer tout le monde. Donc... on essaye au maximum. On essaye au maximum de booster les gens qui sont dans l'ombre, mais ce n'est pas simple. Non, mais juste pour conclure là-dessus, je pense que c'est un débat honnêtement qu'on aurait pu avoir encore il y a quelques années,
Mais honnêtement, maintenant, moi, je crois plus du tout à ce côté artiste maudit. Il faut arrêter deux secondes. Avec tous les moyens qu'il y a, et notamment Internet, qui a vraiment changé la donne, ça aussi, il faut s'en rendre compte depuis une dizaine d'années. Je crois plus. Maintenant, tu peux être de n'importe où, de n'importe quel endroit. Là, tu nous regardes, tu peux être dans un petit bled paumé, dans une cité, n'importe où. Si à un moment, tu as un minimum de talent, si tu as une envie, si tu as un truc en particulier, je pense que ça sortira à un moment ou à un autre. Alors après, est-ce que ça marchera? Ça marchera pas. Ça, c'est le public qui décidera. Il faut que ça soit tonton Marseille qui vient de voir. mais je pense que maintenant, ce côté... Non, mais même ce débat, ce côté artiste maudit, pour moi, il n'a plus lieu d'être. C'est, pour moi, c'est fini maintenant. La donne est vraiment changée. Regarde, on le voit d'ailleurs de plus en plus. Les artistes deviennent aussi leurs propres médias. Mm-hmm. Parce qu'ils peuvent avoir des fanbases qui sont importantes. Tu tapes dans le million d'abonnés sur Instagram. Tu vois, donc, il faut arrêter avec ce discours, machin. Les médias, les trucs, bam, 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 bam. Non, je crois plus du tout en ce discours. Je pense que c'est ça, pour le coup, c'est un discours qui est dépassé. On passe à la suite. Attends. Jingle, s'il te plaît. Je veux parler. YouTube Challenge, l'artiste. L'artiste a lancé un concours YouTube Challenge. Il veut rattraper les rappeurs tricheurs qui achètent des vues, des streamings, etc., etc., etc. Qu'en pensez-vous? On te laisse la parole, tu n'as pas trop parlé depuis tout à l'heure. Il y a Ami qui voulait dire aussi. Ouais, Ami, je t'en prie. Ami, vous voulez dire? Bah écoute... j'ai appris récemment qu'effectivement on pouvait tricher les streamings et compagnie. Après, j'ai envie de te dire, moi, c'est pas ma politique. Sinon, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Ceux qui le font, je leur jette pas la pierre. Si après ça leur permet de passer une autre étape, tant mieux pour eux. Le but, c'est de s'en sortir un minimum. Enfin, ceux qui le font, tu vois. Après. Tricher, je ne sais pas à quel degré on peut tricher quand il faut tricher intelligemment. Je ne pousse pas à la triche, mais en tout cas, moi, c'est clair que quand tu vois, je sais pas, 6 millions de vues et 3000 likes et 5 commentaires, oui. De toute façon, tout le monde sait que tout est triché. Mmh. Voilà, mais bon, après, tu as vu, chacun va midi à sa porte. Par rapport à ça, j'ai rien à dire, j'ai pas de leçon à recevoir ni à en donner. Okay. Le discret. Faut savoir que si auparavant, il y avait d'autres techniques de triche, c'est-à-dire que les équipes allaient racheter eux-mêmes leurs CD. Pour donner l'impression d'avoir vendu plus de CD. Et c'est qu'en vérité, aujourd'hui, on parle de clics, etc., mais c'est une nouvelle technique. En vérité, ça a toujours été comme ça dans le rap. Il y a, que ce soit du temps des années, avant les années 2000 ou quoi que ce soit, il y a toujours eu cette sorte de manipulation. Pardon, je ne suis pas près du micro. Bref, donc, il y a toujours eu cette manipulation d'acheter des CD ou d'acheter des clics pour pouvoir justement être plus vu au niveau des médias. C'est une stratégie. Marcel, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu triches, Marcel? Avec tes artistes, ils nous entendent mal. La tricherie fait partie de l'être humain. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est inné donc, en nous. Donc, en vrai, tu dis que tu triches? En vrai, oui, effectivement, il m'arrivait des fois de tricher. Ouais. Ça coûte combien d'acheter des vues, par exemple? Non, tu sais, vous savez que je pourrais vous citer des noms, des mecs qui trichent vraiment dans le rap français. Mais j'ai pas envie parce qu'on les connaît tous, tu vois. On les côtoie, on se voit, mais... on se dit bonjour, ça va. Après, ils vont me faire la tête, mais pourquoi t'as cité mon nom, tonton Marcel? C'est pas gentil, tout ça, tout. Mais le problème, déjà, même à l'époque, déjà, avec les cartes iTunes, ça trichait déjà. Donc, tu sais, la tricherie, elle n'est pas d'aujourd'hui. Balance ton tricheur. Hashtag balance ton porc. Voilà, on y va. On va en parler de ça, justement. Barbeau, je veux compléter. Ils font ce qu'ils veulent. Un jour, ils seront démasqués, de toute manière. Ouais. Bah ouais. Mais en attendant, pour toi, c'est normal d'acheter des vues? Ça fait partie de stratégie de com. Ouais, Il y a même un budget pour ça. Je vais te dire quelque chose. Quand tu réfléchis, pourquoi ils trichent? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, que soit les médias, les télés, les radios, regardent les vues YouTube. D'accord. Donc ça fait partie aussi d'un élément peut-être déclencheur qui va faire cet artiste est beaucoup aimé sur YouTube, pourquoi pas le passer en radio, lui donner sa chance. S'il y a des triches sur YouTube, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'elles sont justifiées, ils le font, la fin justifie les moyens. Encore une fois, je cautionne pas. C'est pas une politique que j'envisage, mais je peux comprendre que certains arrivent à cette manière-là, histoire de passer en radio ou en télé. Au final, ils ont ce qu'ils veulent. Et ça fait du mal à qui, en vrai? On s'en fout. Ça te fait du mal à toi? Non. À moi non plus. Donc au final, voilà, s'ils ont les moyens de le faire. Ça fait partie aussi, il y a des maisons de disques qui mettent le budget pour... ça fait partie des budgets maintenant de promotion. C'est de la com maintenant.
Et tout le monde est de mèche. Donc, à un moment donné, il faut les laisser. 1000 euros les 1 million. Voilà. Ça, c'est du vécu qui parle. C'est 1000 euros les 1 million. Et 1000 euros les 100 000 commentaires. Vous ne vous rendez même pas compte. En français, en anglais. Non, mais là où je suis assez d'accord, je pense qu'à un moment à l'autre, tu es démasqué. Regarde, juste, on va prendre un exemple. J'ai beaucoup entendu parler. Je peux citer un nom, on m'a beaucoup dit, des gens m'ont dit, machin. Si, je vais citer, parce que, non, mais je vais te prouver le contraire. Lui, il est pas comme toi, lui dit. Non, mais oui, on m'a dit PNL triche. À un moment, on m'a dit PNL triche, c'est pas possible, machin, etc. Ils trichent sur leur vue, leur truc. Ouais, sauf qu'à un moment, PNL, quand ils mettent en vente un Bercy, il y a 20 000 places à Bercy, ou 17 000 places, c'est rempli en 9 minutes. Combien, 17 minutes ? 17 minutes. Donc... Tu vois, il y a aussi une réalité qui est à un moment... Là, tu ne peux pas tricher sur Bercy. Hein, tu ne vas pas acheter 17 000 places pour toi-même. Sinon, tu vas être un peu couillon d'être tout seul dans Bercy. Et il rajoute un deuxième Bercy. Donc, c'est qu'à un moment... Oui, il y a forcément peut-être des gens qui trichent, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais quand on commence à citer des gens, voilà, comme il y en a d'autres aussi, je pense qu'il y a aussi différentes réalités à examiner. Quand à un moment, on dit PNL triche sur leur vue. Mais les mecs, à un moment, remplissent un Bercy, remplissent une tournée dans le monde entier, dans toute la France, ils remplissent une tournée, et en l'espace de 7-8 minutes, les places sont prises. Donc c'est... Ok, donc où est la triche là-dedans ? Et encore une fois... Comme Max Payne le disait, c'est pas nouveau, t'avais des gens à l'époque qui allaient acheter, qui envoyaient des grosses équipes pour aller acheter ou même voler les albums à la Fnac, etc., au Virgin... Aujourd'hui, c'est une technique de marketing, comme tu le dis, Ami. C'est-à-dire que tu vas voir les directeurs marketing de maisons disques faire des push, ils vont appeler ça, faire des deals avec YouTube, etc. Donc des mises en avant, ça fait partie, acheter des vues, ça fait partie en fait du marketing, comme à l'époque, acheter une page de pub et un spot radio, eh bien, faisait partie de la stratégie marketing. C'est le cas aujourd'hui. Après, personne n'est dupe, parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a 10% de réactions, tu as tes clics, ok ? Et tes réactions j'aime ou j'aime pas et tes commentaires doivent être au moins à la hauteur des 10% des vues. Donc souvent, tu vois, quand la personne a acheté, parce qu'il y a des vues incroyables et en fait, il n'y a même pas, il y a 1% de réactions par rapport au nombre de vues. Donc tu sais si ça a acheté ou pas. Les gens ne sont pas dupes, malheureusement. La problématique, elle n'est pas, les gens, pour moi, ne vient pas du fait que les gens achètent des spots pubs ou achètent de la vue. La problématique, c'est qu'il n'y a plus de directeur artistique, qu'il n'y a plus d'artistique, qu'il n'y a plus de programmateur de radio, en tout cas très peu. Il n'y a plus de gens qui portent leurs couilles et qui font des paris. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, voilà, non mais il y en a très peu, il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins. Et bah, alors moi, je suis désolée, mais je veux dire, honnêtement... Et j'ai pour avoir parlé avec plein de DA de maisons de disques ou de directeurs de labels, la majorité me disent « Écoute, moi, je chine des clics sur YouTube, la musique que je kiffe, je l'écoute chez moi. » D'accord ? Et ça, c'est pas nouveau. Et effectivement, c'est un business. Mais des découvreurs de talents, des mecs qui vont au fin fond de la street ou au fin fond de je ne sais où, de la Savoie, tu vois ce que je veux entendre, la dernière chanteuse, etc. T'en as plus tant que ça. Évidemment, et c'est pas pour rien non plus, les disques ne vendent plus, l'industrie s'est pété la gueule, donc tout est cause à effet aussi. Donc la faute n'est pas que à rejeter qu'une seule personne. Oui, mais à un moment donné, la réalité. Encore une fois, je suis désolée. Si tu veux que je te fasse, moi, il n'y a pas de souci. Je réponds pas aux questions si tu veux, tonton. Mais à un moment donné, faut être cohérent, pragmatique et précis quand tu parles de ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, si les DA faisaient leur travail et n'attendaient pas de voir le nombre de clics ou la visibilité de XY avant de les signer, peut-être que le game serait différent. Moi, je te parle en conscience de cause. Effectivement, il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai présenté un putain d'artiste de ouf à Universal. Ils m'ont dit, tonton Marcel, il déchire tout ça, tout, on va le signer, tout ça, tout. Kuluna ? Non, vous n'avez pas compris. Non, mais attendez, moi je suis apporteur d'affaires, mais je ne ramène pas que Kuluna dans les maisons de disques. Non, parce que tout à l'heure, tu nous parles de Kuluna, donc on te demande. Tais-toi, toi, ta calme ici, là, ça suffit. On va se prendre ton micro, on va te mettre au coin direct. Non, c'est pas ça, c'est que l'artiste, il est bon, en plus, il est validé partout, tout ça, tout. Mais il y a un DA qui dit, non, tonton Marcel, non, il faut des vues. Donc, voilà, ça m'a... Fred, tu voulais intervenir. Non, mais je suis un peu... Tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai l'impression, même avec mes cheveux blancs, si tu veux, d'être le plus jeune de tous, quoi. Parce qu'à ma gauche, voilà, t'as le moustachu, là-bas. À ma droite, non, mais vivons un peu dans notre époque, quoi, vivons. Juliette, tu me parles de directeur artistique qui va aller en Savoie. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier en Savoie maintenant alors que tu peux cliquer et écouter ce qui se passe en Savoie? Et je plaisante avec nos amis de Savoie, c'est très sympa la Savoie. Avant d'avoir des ennuis. Si il trouve un mec qui déchire en Savoie et qui fait 10 vues, il aura pas les couilles de le signer alors qu'il va aller signer un mec qui fait 10 millions de vues et qui fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça dont je te parle. C'est qu'en fait, DA, c'est un travail, bordel. Et c'est à toi de mettre les outils
sur l'artiste talentueux aujourd'hui. Non, mais c'est ça le truc. Merde. Vas-y, arrache-le. Mais non, mais après, pour moi, je te dis, ça revient au discours qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a plus d'artistes. Il n'y a plus d'artistes maudits, Juliette. Je pense pas. Même si le mec fait 10 vues en Savoie, à un moment, s'il a un vrai talent, s'il peut exploser. Mais attendez. Vous prenez tous les deux. Attendez, vous faites pas que tous les deux. Attendez. Calmez-vous. Je suis manager, je produis des artistes et je peux dire que franchement, et tu sais très bien. Merci, je te remercie. Merci. Merci. Je veux dire que c'est pas si rose que ça, tu le sais très bien. Voilà, calmez-vous les commentaires des gens, s'il te plaît, et on va passer à l'autre thème directement. Parce que là. On va passer directement, parce qu'on revient trop sur le sujet actuel. On passe directement à la suite. Je vais passer à la suite. Jingle, s'il te plaît. Le traitement des rappeurs dans certaines émissions de télé, notamment Val qui est passé chez Ardisson il n'y a pas si longtemps, Niska qui est passé à TPMP, est-il nécessaire de passer dans ces émissions qui véhiculent des clichés? Est-ce un bon moyen de promotion ou est-ce que ça les dévalorise, les décrédibilise carrément? Bah, je suis tombée sur l'interview de Val, la même attachée de presse. Donc, j'ai trouvé ça inadmissible déjà. Après, lui, je peux comprendre qu'il ait été choqué. Mais, tu vois, par exemple, je ne sais pas. Je pense que déjà, d'une, ces gens-là, ça va qui faire quoi ça. D'accord, à qui faire ça la manière dont il est arrivé, je pense qu'il a dit quoi? Il a dit oui, vous êtes blanc, vous n'êtes pas tatoué. Vous savez que le verbe croiver n'existe pas. Franchement, je ne te cache pas. J'avais une haine, elle était viscérale. J'ai dit comment. En fait, c'est même pas de la maltraitance, c'est de la hagra. Mais pour moi, c'est inadmissible. Et puis, tu vois, il est resté comme ça. Je peux comprendre qu'il ait été choqué. Mais moi, franchement. Mais pourquoi faire ces émissions alors? Non, alors tu peux les faire parce que c'est important aussi. Tu vois, c'est important. Moi, si demain, je suis. Franchement, si demain, j'ai la chance et l'opportunité d'être là-bas, je te jure, sur tout ce que j'ai plus de précieux, je vais mettre la banlieue en haut. Ah moi, je vais leur montrer qu'on peut se voir. C'est des missions qui sont enregistrées. Monté, donc, je sais, mais tu. Ami, tu ne dis pas qu'il faut se préparer. Ah, c'est sûr, il n'a pas été préparé. Manifestement, non. Il faut du coaching carrément, toi. Bien sûr. Je connais des rappeurs qui sont très, très connus, qui n'ont pas été. On les a invités. Non, moi, je sais qu'ils vont vouloir me piéger. Après, c'est à double tranchant. Il faut de la répartie. Parce c'est que sûr tu, que. Tu dis qu'il y a de la répartie, mais au final, ils coupent les missions. Ils veulent montrer que ce qu'ils veulent eux montrer. C'est-à-dire que tu as beau parler, dire ceci, cela. Au final, ce que tu vas dire, ça ne va pas apporter des clics, ça ne va pas apporter des vues, donc ça ne les intéresse pas. Ils vont prendre la partie où tu vas bégayer, où tu vas dire quelque chose de mauvais, pour la mettre devant et faire tout un buzz. Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut se préparer. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. Mais ils savent à qui faire ça. Ils savent. Ils savent à qui faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marcel, par rapport à ça, déjà? Franchement, Vald, il est fort, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il est parti faire dedans. Il est parti dans un bourbier, hein, tout ça. C'est de la promotion. Oui, c'est de la promotion, mais à un moment, avec tous les sites de rap qui existent, avec tous les médias de rap qui existent, ta promotion elle est déjà faite automatiquement. Non, parce qu'aujourd'hui, les rappeurs ne veulent pas des petits médias. Ah bon? Ils ne veulent pas des petits médias. Ah, ils kiffent les petits médias. Hein. Qui? Oui, mais ils kiffent Urban Kult, par exemple. Ah bon? Mais toi, tu fais tout le monde actuellement ces mais derniers pourquoi temps. Pourquoi je fais là. Tout le monde? Parce que t'as la chance de les avoir. Mais voilà. Tout le monde. Et je fais pas tout le monde. Il y a plein de gens qui refusent. Tu dis pas que Salut les Terriens, ça touche une autre audience. C'est-à-dire des gens qui vont pas forcément dans les médias rap. Non, mais. De toute façon, vous savez très bien que comment ça peut être chez Ardisson. Quand on va chez vous, savez à quoi s'attendre, les gars. Donc, c'est comme moi quand vous venez devant ma caméra, c'est que tonton Marcel va vous tuer. Donc, tu viens pas. Fallait pas y aller, c'est tout. Ah bon, wesh. Moi, je suis catégorique là-dessus, moi, sur ce sujet-là. Faut pas y aller. Ouais. Les rappeurs actuellement, ils ont pas besoin de ces médias-là. Moi, je te suis moi, un peu, tort, mais. Je te suis, mais moi, je. Ouais. Attends, il y a un c'est intelligent. Voilà, tu prépares ton émission. Tu sais que voilà, ils vont trouver des punchlines. Bah là, c'est. Ton travail de punchliner, là, il va falloir que tu le développes. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas préparés. Ah oui, je suis d'accord. Par exemple, Sadek. Sadek, il est malade. Il est parti chez Riquet, mortel. Voilà. C'est-à-dire qu'il était là-bas, il les a eu à leur propre jeu. Tout à fait. Donc là, c'est intéressant. Mais si t'es pas préparé, ça sert à rien d'y aller. Parce que quoi qu'il arrive, ils veulent te ridiculiser, comme il a dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils veulent. Non, mais c'est la vérité. Sadek, il est parti quand il n'y avait pas Zemmour. Parce que c'est. Ils sont sortis. Je suis désolé. Les mecs, il faut être cohérent. À un moment donné, je suis d'accord avec toi. Si t'es.
pardon tonton, mais à un moment donné, si t'es pas prêt, je suis d'accord avec toi, Barberich, n'y va pas, ok. Mais il faut arrêter aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Pendant des années, on nous a dit ah ouais, bah super, nous on fait que les petits médias ou les médias street ou les médias urbains, et nous, les médias généralistes, on nous invite pas. Aujourd'hui, on vend plus que n'importe quel mec de la variété française. Pourquoi on n'irait pas chez Michel Drucker? Pourquoi on n'irait pas chez Ruquier? Pourquoi on n'irait pas chez Ardisson? En effet, mais ça n'est pas propre au rap, même si c'est particulièrement, le rap c'est particulièrement gratiné, et je le dis souvent, on nous appelle la veille, le lendemain d'un attentat, la veille d'un débat sur le voile, il y a eu des dérapages, finalement Kerry a payé cher à l'époque, où Ardisson lui a fait un guet-apens assez incroyable, où il lui dit j'adore ton album, il avait appelé le soir au téléphone en lui disant c'est super ce que tu fais vraiment, viens t'inquiète pas, il n'y a aucun piège. Kerry arrive sur le plateau et il arrive en fait il fait entrer tout de suite une meuf qui est une meuf qui a vécu une grande hagra, tu vois, qui a vécu un truc genre jamais sans ma fille, où le mec en fait lui a fait la misère, je crois qu'il lui a pris ses enfants, enfin bon, et sous couvert de l'islam, mais enfin la vision de l'islam particulière du monsieur en l'occurrence, et finalement il a mis Kerry face à cette femme qui a été torturée par un mec qui est complètement cinglé, qui est dans une secte, en lui disant alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? C'est ça l'islam? Le mec, il était guet-apens. Donc, je suis désolée, tonton. À un moment donné, ça, ok. Et tu peux pas prévoir, et je suis d'accord avec toi, parce qu'en télé, et Fred et moi, on connaît bien l'histoire, les chaînes qui ont de l'argent, Ruquier typiquement, ou les émissions qui ont de l'argent, vont tourner 6 heures pour garder 2 heures. Donc, quand on dit que Ruquier, que Ardisson, que tous ces mecs-là sont forts, c'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'en fait, ils ont le luxe d'avoir 6 heures et d'enlever 4 heures pour garder 2 heures des meilleurs moments de l'émission. Parce qu'effectivement, quand toi, tu tournes, parce que t'as pas d'argent, tu tournes dans les conditions du direct, pour 2 heures, tu tournes 2 heures, bah, t'as ce que t'as à la fin, tu vois, au final. Mais c'est moins risqué pour les gens. Bien sûr qu'il y a une volonté parfois de nuire. Bien sûr qu'effectivement, si t'as pas fait le média training, t'es mort dans le film face au Yann Moix, face au machin. Mais en même temps, t'as quand même, comment elle s'appelle, Rousseau, tu sais, cette dame qui est venue parler d'un viol, elle s'est fait violer. Voilà. Mais oui, la nana vient, elle parle du viol, etc. Elle se fait allumer par les chroniqueurs. Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la malveillance, on est dans l'ère du clash, on est dans l'ère de ça. On est aussi tous responsables, nous, téléspectateurs, parce qu'en fait, on adore détester des mecs comme Zemmour, on adore détester des gens qui clashent. Donc en fait, on regarde, c'est ces gens-là qui font les scores d'audience, mais parce que nous, on regarde. Après, on les critique en disant que c'est des sombres merdes, mais en réalité, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont là pour les regarder. Ça n'est pas propre qu'aux rappeurs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une industrie du clash. 4 mariages pour une lune de miel. Enfin, tout ce qui marche aujourd'hui, c'est que des gens qui se défoncent la gueule. Donc les rappeurs qui n'ont déjà pas bonne presse pour terminer, eh bien, en plus, on la double dose et la triple dose. Mais je pense qu'on doit y aller, mais se débrouiller. Un truc comme il se doit. Voilà, mais important, répondez brièvement parce qu'il faut qu'on passe dans les autres thèmes. En parlant de... Parce que moi, il n'y a pas longtemps de cela, Cyril Hanouna avait reçu Rof. Mm. Et comme à un moment, je m'occupais du sosie de Booba. Mm. Donc... Non. Mais pourquoi tu t'occupes du sosie de Booba? Non, ils m'ont appelé en fait pour que je ramène le sosie de Booba. Et le sosie de Booba s'embrouille avec Rof. Non, mais c'est pour ça, pour dire qu'ils arrivent à... Attends, ce que tu nous expliques, c'est que tes PMP t'ont appelé pour que le sosie de Booba s'embrouille avec Rof sur le plateau. Oui, parce qu'il ressemble tellement à Booba. Mais non, mais c'est la vérité, je mens pas, c'est la stricte vérité, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et mais après, je leur ai dit, mais le problème, il est en Martinique. Ah, ils ont dit, désolé, tonton Marcel, ils ont raccroché. Ouais, c'est bon. Juste pour en revenir à ça, par rapport à tes PMP. Tout à l'heure, tu parlais de tes PMP. Il y a Niska qui est parti là-bas. Vous voyez comment ils ont humilié Niska? Justement, voilà, Max, c'était pour revenir par rapport à ça. Il y a Niska qui a été à TPMP justement pour faire un petit show, un sorte de petit live là-bas, où il n'a pas du tout été respecté, où ils ont balancé le son avec ses paroles ou je ne sais plus trop quoi, et tout ça, ce n'était pas prévu. Et en fait, moi, ce que je pense moi, par rapport à ces médias généralistes, c'est qu'ils essaient de décrédibiliser très souvent aussi ces rappeurs-là. C'est-à-dire les mettre dans une boîte, oui, ces rappeurs-là sont immatures, ne savent pas parler, etc. etc. Et c'est pour ça que je dis... Comme on l'a dit aussi, comme Amil l'a dit auparavant, c'est vrai qu'il faut y aller, mais vraiment préparer. Ouais. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, en allant dans ce type d'émission-là, ça te permet aussi d'avoir un nouveau public. Et c'est pour ça que les rappeurs... Est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait ça à Niska? Parce que Niska a refusé de venir s'asseoir à leur table pour répondre à leurs questions. C'est pour ça qu'ils ont fait ça à Niska. Et donc, ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais. Et tu connais Cyril Hanouna, il a voulu se venger aussi. Attends, brève intervention. Après, tu lis un peu ce que non, les gens attends, disent. Non, mais attends, moi, je vais dire quelque chose pour conclure. Les médias généralistes en général. je manie la langue française. Le Molière. Non, les médias généralistes en vrai de vrai, ils s'en battent les couilles du rap.
Donc si tu vas là-bas, faut pas t'attendre à ce qu'on respecte ton art ou quoi que ce soit. La seule raison pour laquelle ils s'intéressent au rap, c'est parce que ça fait des vues, ça fait des ventes, on en parle, sinon ils s'en foutent. Donc c'est un cercle vicieux. Tu y vas pour prendre un peu leur lumière et eux, ils se servent de toi pour avoir aussi des audimates, comme ils appellent ça. Mais je voulais dire aussi un truc pour mon gars sur Jules, qui avait envoyé, qui avait envoyé un mot sur Facebook. Avec attends, calme-toi, on va en parler après, c'est juste que c'est l'après, calme-toi. Non, mais attends, d'une manière générale, attends, les médias généralistes, ils nous respectent pas. Voilà, on va en parler. On en parle juste après. S'il te plaît, dis-nous un peu les commentaires. Tu veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent faire des grosses émissions, donc attention, il y a un risque. Si tu ne sais pas t'exprimer, reste chez toi. Ouais. Sadek aurait mis à l'amende Zemmour. Non, c'est faux. Non, si il ne faut pas y aller. Laisse les gens s'exprimer aussi. Quand on sait s'exprimer et qu'on a de la répartie. Écoutez Grace, s'il vous plaît. Mystérieux, il est parti, il a eu chaud. Les rockers n'ont pas besoin de médias urbains pour évoluer, donc il faut arrêter. Il faut rester dans son domaine et c'est tout. D'accord avec Juliette Soprano, il a mis tout le monde d'accord. Il faut aller dans tous les médias pour le rap. Pour que le rap aura plus large public. Faut parler français, mon frère. Non, c'est toi qui dois savoir lire. Ah, j'ai dit. Peut-être, t'as vu. On sait pas. Par rapport au DA, il faudrait déjà qu'il éplisse des personnes qui connaissent la musique et son histoire. Ah, c'est ce qui a marqué. Il met son accent en même temps. Non, c'est ce qui a marqué, frère. Qu'il y éplisse. Voilà, c'est ça. C'est ça. La réalité aujourd'hui, les rappeurs qui maîtrisent l'art de la rime pour les chichas sont plus mis en avant les par les médias que les rappeurs hardcore aux belles plumes. Niska n'a qu'à pas faire du playback. Ha 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 ha. D'accord avec Juliette, ils font pas ça qu'aux rappeurs, les écrivains, les politiques et les autres acteurs se font dégommer aussi. Ouais, mais c'est pas de la même manière. C'est pas de la même manière. Quand tu demandes à un carré. Attends, faut que tu parles dans les premiers profs de force, pour moi, c'est trop. C'est trop. Attends, t'as déjà vu, un rocker de faire une épreuve de force? Attends, parlez prenez les micros quand vous parlez. Attends, j'ai pas fini, laisse-moi dire tout. Ce n'est pas qu'ils veulent les décrédibiliser, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Voilà. Le vrai problème, c'est leur ignorance du rap. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Non, ils sont dans les clichés. Faites de Jean-Pascal, vous voulez rajouter quelque chose? Jean-Pascal, vas-y. Le message corrobore parfaitement avec ce que j'ai dit. Je manie quotidiennement la langue française. C'est dur à prononcer en plus. Ce que je veux dire, c'est que, comme le gars a dit, c'est juste qu'ils ne respectent pas la culture rap. Parce qu'ils la connaissent pas. Ils la connaissent pas. Donc quand tu vas là-bas. C'est juste que tu connais pas, mais tu respectes. Oui, mais eux, ils respectent pas. C'est normal. C'est un truc de noir, un truc d'arabe, frère. Ils vont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils respectent pas, normal. Mais maintenant, quand tu sais qu'ils respectent pas, tu vas là-bas et tu les respectes pas aussi. Dernier mot. Après, voilà, non, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le rap, en effet, a besoin d'aller dans des émissions comme ça? On le sait très bien, tu vas chez Ardisson et Ami a raison. Si tu y vas, bien sûr, c'est utile, mais il faut être préparé un minimum parce que tu sais très bien qu'Ardisson, c'est un mec qui coupe et qui va se mettre en valeur. Ruquier, c'est la même chose. En fait, c'est bien sur le direct. Après, quand tu as des émissions enregistrées, tu viens en fait pour faire mousser l'animateur, grosso modo. Exactement. Voilà, c'est la donne qu'il faut avoir en tête, quoi. Mais faut pas mentir, c'est utile quand même. Parce que effectivement, si tu veux vendre à la ménagère de 50 ans et qui n'est pas spécialisée dans le game, forcément, tu es obligé de faire ce genre de médias. Donc, il faut être surentraîné. Et bien sûr qu'on ne nous fait pas de cadeaux, mais du coup, comme on vient de loin. Donc, c'est aussi notre responsabilité que de travailler 10 fois plus, d'être 10 fois plus éloquent. Parfois, tu entends des rappeurs aussi à la décharge de pas des journalistes, mais qui font pas d'efforts. Des fois, les mecs, tu leur dis, mais attends, je me pose même des questions sur le fait que ce soit eux qui écrivent leur propre texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, il faut travailler 10 fois plus, il faut faire du média training, il faut faire tout ça parce que c'est la guerre et qu'en fait, il ne s'agit pas de finir l'album. Être, quand tu es artiste, faire de la promo, de la télé, de la radio, c'est encore 50% de ton travail. Ça en fait partie complètement. Donc, il faut que tu sois aussi préparé comme un chanteur va prendre des cours de chant. Voilà, c'est aussi important. Je pense que c'est fondamental à un moment donné. Je veux dire un truc. Non, mais je suis désolée, mais arrête. Mais oui, mais attends, mais PNL, ils ont. Encore une fois, ils ont les Un Rock, ils ont les médias branchous, ils ont Vice, etc. Tu ne peux pas. Bien sûr qu'au bout d'un moment. Tu es en France. Tu sais,
pourquoi, alors, tu sais, aux États-Unis, pourquoi les Américains ont réussi à prendre le contre-pied? Tu m'expliques pourquoi nous, on ne serait pas capable de prendre le contre-pied? Pourquoi, à un moment donné, quand on parlait de Sadek, il y a Youssoupha, il y a plein de gens qui savent se démerder, il y a Soprano, etc. Moi, je vois, tu vas avec Lino, tu vas manger avec un milliard de gens, on mange ensemble. Enfin, on n'est pas des Mongols, tu vois. Et globalement, en plus, comme on vient de beaucoup plus loin que les chroniqueurs qu'on a devant nous, finalement, on a peut-être plus de bagages culturels. Bordel, pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi on ne saurait pas se défendre? Et pourquoi on va les éviter? Moi, je pense qu'on n'est pas là pour les éviter. Juliette a dit pourquoi on n'ira pas manger ensemble. Moi j'avoue, je suis parti manger avec elle dans un bon restaurant, c'était pas mal. Hein, tu m'as ramené dans un bon restaurant, hein, Juliette, la dernière fois, c'était pas mal, c'était chouette. Ça c'est juste pour passer que les gens. Soyez pas jaloux, hein. C'est vraiment un nègre ce gars. On est en train de parler de trucs, il dit j'étais au restaurant, je mangeais, mais quel nègre. Mais c'est un nègre ce gars. Non, mais oui, la réponse. Elle t'a parlé? Non, il a dit. Mais non, mais il a déjà parlé. Mais moi, je suis pas d'accord avec Juliette. Pourtant, Juliette, c'est ma gossure. Je pense que les médias généralistes ne sont pas une fatalité et qu'ils nous ont boudés pendant 30 ans. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils sentent que le vent tourne. Donc, il faudrait aussi aller courber. Ceux qui veulent aller, allez. Ceux qui veulent pas aller, n'allez pas. Non, mais j'ai pas courbé les chines. On passe à la suite. Juliette, les chines. Prochain thème. Jingle, s'il te plaît. La Chine. Jingle, s'il te plaît. Non, faut assumer. Excusez-moi. Le prochain sujet. Jules. Jules. S'est fait arrêter, garde à vue, suite à un excès de vitesse, dans un état un petit peu bizarre. Il a balancé un tweet avec des fautes d'orthographe. On ne dit pas tweet, on dit tweet. Il a balancé un tweet. Et moi j'ai la règle, moi, je vais te botter ici, attention à toi. Je sais qu'il y a des enfants et des parents qui me suivent, c'est pas une bonne image pour tout le monde, donc voilà, je tenais à m'excuser. J'apprends de mes erreurs. Non, mais alors... Il y a eu toute une polémique vis-à-vis de ça, mais en vérité, le message est bienveillant. D'accord, mais... Non, même là, ils l'ont terminé, les médias. Non, mais alors... Laisse Ami parler aussi. Qu'est-ce que t'as pensé des fautes? Quel niveau? Ah oui, t'es prof, toi aussi? Ouais, je suis prof. Ouais, magnifique. C'est vrai? Très bien. Magnifique. Faut le dire plus souvent, ça. Du marketing aussi, elle fait plein de trucs, c'est une tronche, Ami. Vraiment. Avocate de retour. Intellectuel, nous avons le BTS. Nous avons le CAP cuisine. Moi, j'ai le BTS. Ami, s'il te plaît. Ami, s'il te plaît, vas-y. Sur le... Bah, franchement, effectivement, il y avait pas mal de fautes d'orthographe. Après, c'est une chose. Si lui, il est conscient qu'il a des difficultés au niveau de l'orthographe, ça peut arriver. Non, mais attendez, il est jamais trop tard pour apprendre, déjà d'une. Tu veux bien l'aider. Mais avec plaisir, surtout qu'on a déjà collaboré ensemble, lui et moi, donc ce sera une deuxième occasion. Je pense qu'il aurait dû, avoir un manager ou quelqu'un qui l'aiguille. Et je pense qu'il a été sur le feu de l'action. Le message est bienveillant, c'est ce que je retiens, le fond du message. Après, ce qui a été particulier, c'est la haine des médias qui ont pris plaisir à propager ça. Encore une fois, on se sert du rap quand ça les arrange. Tu ne penses pas que quand Jules il écrit ça, il écrit comme il parle et que... Voilà. Non, mais je suis désolée, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, Ami. Je comprends. Mais il faut arrêter. Quand on est médiatique, quand on est artiste, quand on est journaliste, quand on est... Voilà, peu importe. Quand tu es une personne médiatique, tu as une part de responsabilité. Je ne vais pas vous refaire une centième fois l'histoire du colibri et du fait que chacun prend sa part. Mais je suis désolée, on est dans une société de médiocratie. On va critiquer plein d'émissions, plein de choses, etc. Tu parlais tout à l'heure justement de Damso. Putain, il écrit à sa façon tout ça, mais le mec, il tire le truc vers le haut. Quand tu fais un texte, un refrain qui dit « Si j'aurais pas écouté mon cœur, j'en serais pas là » et que tu vas dans une chicha et tout le monde chante. Non. Non, mais moi, j'aime pas du tout ça. Non, je m'en bats les couilles. Non, ça a toujours existé. Attends, laisse-moi finir. Mais bien sûr, le comte de Bouderbala a fait un sketch de ça fabuleux. Non. Sur mon chèque, que mon boss pardon, ah pas. Non, mais
mais laissez-moi finir. Attendez, laissez-la finir. Le comte de Boudarbala a fait un sketch là-dessus, justement, avec plein de rapports à l'ancienne. C'est pas nouveau. Mais Jules, c'est récurrent. Et finalement, je finis par me demander si c'est pas un outil marketing. Exactement. Parce que t'as ta part de responsabilité. Je pense, en fait, qu'il le fait exprès. Ouais. C'est une technique. Parce que tu ne peux pas faire autant de fautes. C'est pas possible, mon frère. Non, moi, je pense réellement. Tu vois. Et je pense que c'est technique. Parce qu'au final, ça fait parler, ça fait couler de l'encre. Et il s'en bat les couilles. Le mec, il est millionnaire, en fait. Donc, il s'en tape que tout le monde se foute de sa gueule. Exactement. Je crois pas qu'il pleure dans sa chambre en se disant le Parisien, Libé, Le Monde, RFI, Skyrock, c'est foutu de ma gueule. Non, en fait, pas du tout. Le mec est millionnaire. Mais je pense finalement que là, le truc de prolo, là, terre-terre, genre, ok, on parle pas bien français, on s'en bat les couilles, etc. Mais moi aussi, je suis une prolo, je suis une ch'ti, mon frère. Tu vois, ça se voit pas tout de suite, mais c'est le cas. À un moment donné, je me demande même, ouais, je suis désolée. Prochaine récré, je vous parle en ch'ti si vous voulez bien. Et, c'est peut-être un fonds de commerce parce que là, c'est trop. Tu peux pas. Il y a des ingénieurs du son, il y a des managers, il y a des maisons de disques. Tu peux pas laisser faire ça quand même. Les gamins, t'as envie que ton enfant, ta fille, elle parle comme ça, mon frère ? Non, mais attends, attends. Quand il est arrivé comme ça, je l'ai critiqué direct. Je n'aimais pas du tout ces trucs. Et finalement, quand tu mets toute ta culture rap de côté, tous tes trucs nas, machin, et tu te poses, il y a des trucs qui ne sont pas si nuls que ça. Et maintenant, le truc que moi, je n'aime pas du tout, c'est là ce que Juliette est en train de faire. Elle fait la même chose. Gardisson. Non, que les gens font à Franck Ribéry ou à je sais pas qui. Voilà. Mais Franck Ribéry, c'est un footballeur. Il est pas là pour réciter l'alphabet. Jules, c'est un rappeur. Il est pas là pour nous apprendre le français. Ça écrit, mais quand il sort son CD, il y a pas les textes dans le truc. Tu prends ça, tu t'enjailles et tu rentres. Ce que je veux dire par là, c'est que Jules, il fait des fautes de français, mais juste c'est un cassos, c'est tout, frère. Maintenant, il faut être fier. Il faut être fier de voir un cassos comme ça qui s'en est sorti, qui a monté sa structure, qui emploie des gens, qui fait des vidéos. Mais attention, les rappeurs, c'est pas eux qui gèrent leurs réseaux sociaux. De quoi ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. C'est quand même grave ton propos. Pourquoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a de grave? Attends, tonton Marcel, calmez-vous. Comme musicast. Tonton Marcel, Dis-moi ce que tu voulais me dire. Écoutez, s'il vous plaît. Les élèves, écoutez. Je relève, c'est un petit peu grave ce que tu dis. Parce que tu dis comme quoi c'est un rappeur. La manière dont il s'exprime ou la manière dont il écrit, c'est pas grave. Mais regarde, les rappeurs d'une certaine époque, tu sais, on fera encore les vieux, toi, mais. Par exemple, Lino, tu T'es sûr que démocratie. Attends, calme-toi. T'es sûr que les Black Jack, tout ça, ils écrivaient bien à l'époque. Black Jack, calme-toi. Mais t'es sûr de ça? Non, les Lino. T'es sûr que les Monsieur R, tout ça, ils écrivaient bien? Attends, calme-toi. Lino. Monsieur R, quand il rappelait déjà. Lino, Roca. Vas-y, dis-moi. Regarde, tous les jeunes de l'univers de Roca, Lino, ces morceaux. T'as vu comment c'est particulièrement bien écrit? Oxmo. Mais alors, oui, je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il y en a qui écrivent bien. Regarde, Nekfeu, là. Mais s'il y en a un qui écrit mal. Il y en a beaucoup qui écrivent bien. Et le rap est une culture littéraire. Mais s'il y en a un qui écrit mal. Faut pas voir que le fait qu'il écrit mal. Il y a beaucoup de choses. Faut savoir aussi d'où il vient. Faut savoir ce qu'il a construit. Faut savoir qu'il est exemplaire. Enfin, on se sert de lui comme exemple, mais c'est malgré lui en vérité. Ça veut dire que là, on lui demande d'être prof de français, etc. Exactement. C'est pas ça. Et en vérité, quand tu regardes. Non. Mais après, quand tu regardes ces textes, la forme de ces textes, ces sons. En vérité, c'est quand tu vois le mot d'excuse qu'il a sorti, tu dis mais c'est normal en vérité, le mec. bah oui. En fait, ça t'étonne pas en vérité. Non mais attends, attends. Il y a Fred qui veut parler. Faut le laisser parler. Oh, laissez affaire de Fred. Bon. Écoutez-moi, quand les gens, la moitié. Attends, Fred. J'ai pas fini. La moitié des gens qui critiquent Jules, je pense qu'ils peuvent pas faire la moitié du quart de ce que Jules a accompli dans sa vie. Mais c'est pas ça qu'on parle. Non, mais moi je parle de ça. C'est-à-dire qu'il faut voir ce que le mec a construit. Vas-y. Il a rien fait pour moi. Mais si mon petit frère faisait des choses comme ça, au lieu d'aller au placard, je serais content. Si tu étais mon petit frère. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut voir aussi ce que le gars a accompli. Et pas chercher la petite bête. Oh, mais il écrit mal.
Mais ça se trouve, il y a des familles qui vivent grâce à Jul. Non, mais. Il y a des gars mais qui l'ont. Là, tu t'en vas ailleurs, mon frère. Là, tu vas dans un autre monde. On parle de ça. Non, mais parce que ça fait partie de Jul. Non, mais là. Attends. Non, mais je crois que vous oubliez quand même. Non, mais je crois surtout que vous oubliez un truc quand même. Il y a quand même un truc qui. Je vais dire une réalité. Je pèse mes mots. Eh ben, ce qu'on vit avec Jul, c'est l'échec de l'éducation nationale. Attendez. Non, mais il faut aussi qu'on se pose des questions, nous, sur notre société. Non, mais là je plaisantais, mais deux secondes. Mais il y a une vérité aussi. Et derrière tout ça aussi, oui, il fait des fautes, bien sûr. Il écrit un peu trop rapidement, comme dans la vie, comme on peut envoyer parfois un SMS où on fait plein de fautes, etc. Il le publie très rapidement. Et oui, on peut regretter plein de choses, qu'il n'y ait pas un manager, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui dise « Attends, refais ça, machin, ce que tu veux ». Mais il y a un moment, la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société on est ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gamins ? Et là, je parle de Jul, mais je parle aussi d'autres gamins. Moi, je reçois des messages. Nous, à la radio, on a un système où on reçoit des telex, des machins, de SMS qui sont postés via les réseaux sociaux, etc. Et même, moi, le truc que je ne peux plus, c'est le SAVA avec le S-A-V-A. Je n'en peux plus. Oui, ça me fait mal. Je n'en peux plus. Ça fait très mal. Non, mais c'est une réalité. Je n'en peux plus. Mais je ne peux pas leur en vouloir à eux. Tu sais quoi ? Tu as dîné, il te dit SAVA, tu sors, c'est mort, c'est mort dans le film. S-A-V-A, c'est mort. Donc, il y a un moment. Quand tout à l'heure, on parlait du rap, mais peu importe, c'est gratuit. Juliette, deux secondes. Il y a un truc. Voilà, il y a aussi un truc, un moment où il faut aussi qu'on se dise et qu'on se regarde, mais nous tous, toute la société, qu'on arrête de pointer forcément le doigt sur un mec qui subit des problèmes actuellement, et j'espère qu'il va s'en sortir vite et que c'était une mauvaise passade et que ça ira mieux pour la suite, mais qu'on se dise aussi un moment, mais attends. Regardons-nous un petit peu tous pourquoi on en est là aujourd'hui. Fred, attends, Marcel. Je suis d'accord avec Juliette. Une fois, j'ai dragué une meuf sur Facebook. Je lui ai dit, ça va avec un S-A. Hein ? Mais j'ai eu le rendez-vous. Regarde, Fred, moi, je tenais juste à. Voilà, il nous reste 10 minutes. Je tenais juste à rajouter par rapport à ton propos que. 15% des enfants qui passent de la CM2 à la 6e. Mais bien sûr, du CM2. Et pourtant, on fait tous on fait tous des erreurs horribles, tu vois, en permanence. Voilà, 15% des enfants qui passent du CM2 à la 6e ne savent ni lire ni écrire. Mais c'est ça qui est grave. C'est très grave. Dans un pays comme la France, on parle d'un pays qui est un pays qui a toujours été... Mais non, excusez-moi, je te jure, 15%. Excusez-moi. Non, mais parce qu'on laisse des gens alors. Attendez. Appel, hein. Non, mais je veux pas après. Après, je veux pas mettre Jul au milieu de tout ça, machin, etc. Mais je trouve que le vrai fond là-dedans et les questions qu'on devrait se poser plutôt que de montrer le doigt sur un mec en permanence en train de dire et de se moquer, mais à un moment de se dire bordel quoi. On est en France, on est un pays où t'as eu des écrivains, des gens qui maîtrisent la langue française. Et pourquoi à l'heure d'aujourd'hui? J'ai pas envie de dire que Jul c'est un gamin, mais pourquoi est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux, en effet, je sais pas si le chiffre est exact, mais t'as un nombre de gens qui, passant du CM2 à la 6e, ne savent toujours pas lire et ne savent toujours pas écrire. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, mais je dis juste une phrase. Ils ont des difficultés à lire et à écrire. Une phrase. Une seule phrase. On est en France, on fait partie des 20%, même si la problématique, et c'est pas si manichéen que ça, mais je suis désolée, j'ai la chance de voyager dans le monde entier, de beaucoup être en Afrique, et particulièrement ces 6 derniers mois, faut aussi arrêter la branlette un petit peu aussi en France, parce que c'est... C'est Sylvain Tesson qui disait, qui est un grand voyageur, qui disait les Français sont des personnes qui sont convaincues de vivre en enfer, alors qu'ils sont dans un petit paradis. Et effectivement, tout n'est pas rose, mais en réalité, on fait partie des 20% privilégiés dans ce monde. Allez au Congo, allez mais dans plein d'endroits, même en Guyane, tu vois, alors que c'est la France. Donc à un moment donné, tu sais, ça n'est pas si simple que ça, mais chacun a sa responsabilité aussi. Et je trouve qu'en fait, en France, on fait de moins en moins d'efforts aussi, alors qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le reste du monde. Et il faut voyager un peu pour s'en rendre compte. Donc oui, problème d'éducation nationale, problème de trop de gens dans les classes, problème de déséquilibre dans les banlieues et à Paris, tout ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, t'es pas à N'Djamena, t'es pas dans un village à 20 km. Et pour autant, t'as des érudits dans ce pays. Donc c'est aussi une question de volonté. Moi, je suis pas d'accord non plus. Tape du poing. Tu vois, avec le truc de...
Fred, excusez-moi. Attendez. On va. Attendez, excusez-moi. Profitons justement de. Non mais au lieu de montrer ça, au lieu de montrer du doigt, du genre, encore un rappeur qui sait pas écrire. Bordel, t'es victoire de la musique, tu vends des millions, s'il te plaît. Et alors Non mais après ça c'est un problème. Non mais Juliette, après c'est un autre problème. C'est comment tu t'entoures. Comment tu t'entoures avec des gens. Il y a un moment. Où est le problème que Jules fasse des fautes? Non mais lui. Mais où est le problème? S'il fait des fautes, il fait des fautes. Tout le monde fait des fautes. Même le président de la République fait des fautes. Attendez. Voilà. Non mais en fait. Attends. Non mais lui il a rien demandé. Moi je connais les personnes qui gèrent ces. Marcel, excusez-moi. On va finir parce qu'il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Vas-y. Non, vous là, on va te retenir encore. J'ai le sosie de Jules. Si je m'occupe du sosie de Jules. Juste pour terminer, on va terminer. Excusez-moi, on va terminer. Merci. Non, mais c'est la récré ou c'est pas la récré hein. Non, mais là, on finit aussi. Donc, même pendant la récré, il y a un moment où tu rentres en classe. Voilà, c'est ça. On doit rentrer à la maison ? Non, toi, t'es puni, toi. Tu vas rester là jusqu'à chez quoi qu'il en. Je rajouterai juste à votre propos, vite fait, le budget de l'éducation nationale est d'un milliard d'euros. Ok, on passe à la suite. Balance. On l'a pas vu, les milliards. Balance ton porc. Non, mais... Balance ton porc. Hashtag balance ton porc. On sait que l'affaire Weinstein, là. Le Harvey Weinstein. Voilà, Harvey Weinstein. Voilà. Voilà. Tonton Marcel a bien connu. Voilà. Il s'occupe de son sosie. Non, il fut un temps où j'habitais aux États-Unis dans le Colorado à Denver. Oui, c'est bon, on sait ça. Voilà. Voilà. Que pensez-vous de cette affaire qui a révélé pas mal de choses nauséabondes vis-à-vis des femmes? En tant que femme, je pense que c'est pas un cas isolé. Donc tant mieux. Tant mieux. Bah vas-y, je te laisse sur balance ton port là. Tu sais, le réalisateur Carrie qui s'est fait. Donc voilà, c'est le gratin et malheureusement, tout le monde sur cette table ici sait qu'à un moment donné, parfois, pour accéder à certaines portes, faut faire certaines choses et certaines se plient, d'autres non. Voilà, le sexisme, c'est à la mode en ce moment. Je vois tous les débats à la télé. Qu'est-ce que c'est l'harcèlement à partir. J'ai même vu un numéro qu'on peut donner à si un homme par exemple nous aborde dans la rue pour pouvoir. Enfin, voilà, c'est. Merci de en fait voilà c'est ils l'ont balancé peut-être un peu trop tard parce qu'il a fait beaucoup de dégâts. Après voilà, je trouve que c'est facile de se lever un matin. Si tu voulais pas subir, tu fais pas. Il y a rien qui est forcé dans la vie en fait. Tu vois, moi j'aime pas trop les positions victimaires où j'ai fait ça. Tu veux pas faire, ma sœur, tu ne fais pas. Tu vois, après tu as pensé à ta carrière, ça t'a arrangé au moment donné. Aujourd'hui, tu entre guillemets, tu balances ton porc, mais non, t'étais pas obligé de faire ça. Et puis voilà, il y a d'autres, je sais pas, il y a d'autres. Voilà, tant mieux s'ils l'ont dénoncé, mais c'est, elles sont marrantes quoi. 20 ans plus tard. Toi, t'es juste sur un cas de figure. Le cas de figure dans lequel certaines femmes se plient, mais il y a aussi des femmes qui pendant leur travail, on les touche. Ah oui, les... non mais je suis. Non, mais j'ai travaillé en société avant d'être professeur. Je sais comment ça se passe. Hein. Ouais. C'est tout le temps, toute la journée, et de manière subtile parfois, déguisée. Et du coup, tu sais pas comment réagir. Est-ce qu'ils rigolent? Est-ce qu'ils rigolent pas? Après, voilà, ça fait partie de la vie. Ça ne sera jamais éradiqué. Donc, faut se battre. Et comment tu luttes contre ça? Comment lutter contre ça? Parce que c'est balance ton port en vrai. C'est ça le sujet de fond. C'est comment lutter contre ces agressions, que ce soit textuel ou physique, comment lutter contre ça en fait? Déjà, à quel moment on considère qu'on est en train de se faire harceler? Déjà, il faut définir. Juliette et moi, nous sommes deux femmes différentes. Peut-être que si un mec l'aborde trop, je sais pas, lui dit l'insulte par exemple, pour elle, c'est pas du harcèlement, pour moi, si. C'est, tout est subjectif en fait. Donc je pense pas qu'il y ait une loi qui puisse établir exactement au millimètre comment savoir si t'es harcelé ou pas. C'est au feeling. Ils sont en train d'acter une loi. À partir de ce soir, la récré va créer le hashtag balance ta cochonne. C'est pas possible. Attends, c'est mon frère, mais dis-moi sérieux toi. On parle d'un sujet sérieux toi, tu veux dire. Moi je suis d'accord avec Ami après. Ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que. Pendant des années, moi, j'ai été dans une espèce de déni en me disant « Mais non, la misogynie, etc. » Alors, pardon, Fred, hein, tu vois. Mais moi, les femmes, j'ai un vrai problème avec elles, par exemple, parce que je pense pas que tu obtiens... tu n'obtiens pas le respect en manquant de respect. Tu n'arrives pas à poil dans une mosquée en disant que les gens vont comprendre le message. Tout ça, c'est des choses auxquelles je ne m'identifie pas. Mais donc, du coup, à l'extrême, comme ça, je me suis dit que ça y est, c'était cool. Il n'y avait pas de problème, finalement, qu'on était dans des sociétés où c'était plutôt cool. Et en fait, avec le temps...
malgré tout, effectivement, tu te rends compte que les femmes et les hommes ne sont pas sur le même pied d'égalité, ça c'est sûr, tu vois. Et je suis désolée, ami, tu vois, la dernière fois, on parlait justement même du rap au féminin, etc. Si t'étais un bonhomme et que tu kicks comme tu kickais, je pense que tu serais disque de platine, triple disque de platine. Et d'ailleurs, c'est ce que je te souhaite du fond du cœur parce que tu le mérites et je pense qu'on le pense tous. Et je pense effectivement que parce que t'es une meuf, c'est plus compliqué. Et puis après, la misogynie ou en tout cas les agressions. Tu vois, on parle de agressions sexuelles, mais il y a des agressions qui sont violentes parce qu'en fait, elles ne sont pas forcément sexuelles, mais en fait, le fait d'être une femme autorise certains hommes, tu vois, à prendre un pied sur ta gueule, à te mépriser, à te zapper, etc. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, c'est pas mal, finalement, puisque l'être humain, malheureusement, sur cette terre, ne respecte que l'intérêt et ne te respecte que par intérêt ou par peur. Eh bien, quelque part, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que finalement, s'il faut faire peur ou... puisqu'on ne fédère pas assez ou génère pas assez d'intérêt, bah, c'est peut-être pas mal, en fait. Il nous reste 2 minutes. On me le dit à l'oreillette. Moi, j'ai entendu... Brièvement. Brièvement, moi, dans le truc hashtag balance ton porc, j'ai vu sur Twitter, il y a quelqu'un qui a balancé Fred Musa. Écoute, on est à l'abri de rien. Hein. Moi, j'ai aussi vu JP Zadi, mais... avec des trucs beaucoup plus hardcore que balance ton porc, mais je ne dévalorerai rien. Et moi, il y en a une non. qui m'a balancé, en plus. Hein. Non, non. Moi, après, juste quand même un truc là-dessus. Alors, évidemment, pour moi, ça montre 2 choses, quand même, balance ton porc. Ouais. Premier truc, c'est que j'ai quand même du mal qu'on balance des gens, parce que c'est arrivé, ouais, avec leur nom sur Internet. Tu vois, si à un moment, tu as un vrai problème, si en effet... Si, ouais. Voilà, je pense que maintenant, en tout cas en France, là-dessus, on est quand même assez protégé. Tu as une loi qui fait qu'à un moment, tu peux aller dans un commissariat dire, voilà, ce qui s'est passé avec telle ou telle personne. Je l'espère, en tout cas pour les femmes. Je ne suis pas une gonzesse, donc j'ai pas, pardon, une femme. Parce qu'après, on va encore reprocher des trucs. Mais voilà, je ne suis pas... Non, mais en plus, c'est un truc qui est important, donc je n'ai pas envie de... Voilà, c'est pas en rigoler. Donc, mais par contre, le côté Internet où tu balances tout et n'importe quoi et tout le monde devient procureur de tout le monde, vraiment, il y a un côté qui est fatigant. Maintenant, ce qu'a montré cette histoire d'hashtag, il ne faut quand même pas l'oublier, il faut l'avoir en tête, j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup et énormément de messages de femmes à qui ça faisait du bien de se libérer et de sortir... Et qui d'ailleurs ne citait pas de nom forcément, mais disait voilà, dans mon boulot, dans mon endroit, machin, j'ai vécu ça. Donc je pense que là aussi, encore une fois de plus, je pense que les pouvoirs publics doivent prendre le relais. Et très rapidement, je ne sais pas comment, peut-être monter une plateforme, un truc, j'en sais rien. Hein. J'ai pas d'idée là-dessus, mais en tout cas, vraiment, il faut qu'il y ait un suivi là-dessus. Parce que j'ai quand même senti derrière ce hashtag beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été victimes de choses. Il y a un vrai mal-être, quelque chose de dur à porter, et ça a pu libérer un peu une parole. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un suivi. Parce que ce qui m'inquiète à chaque fois avec Internet et tous ces réseaux sociaux, c'est qu'un buzz en chasse un autre. Donc j'espère que ce buzz-là, en tout cas, ne sera pas chassé par un autre. Fred Musa. Oui, c'était moi. On te remercie. De rien, merci à vous. Nous remercions Ami aussi. Merci à vous. Peut-être l'actu de Fred. Voilà, l'actu de Fred, dis-nous un petit peu. Pas d'actu, voilà, c'est ça. On ira cliquer, allez cliquer. Ami. Dis-nous. Franchement, tu peux laisser la surprise quand même, non? Ah ouais, il est en train de me kill comme ça. On sait qu'il y aura un feat avec Jul, en tout cas. On commence par les invités. On sait qu'il y aura un feat avec Jul, avec le programme. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors non, il y a déjà ma web série. Ça s'appelle Becherel, le morceau, il paraît. Oh, blague. T'inquiète, moi, c'est le genre de blague. Moi, j'adhère. Il y a ma web série, donc ne dites pas ma mère. Mm-hmm. D'accord. Donc l'épisode 5 sort justement où j'évoque aussi les violences conjugales, notamment. Avec Nino, Sadek, Moko. Et le prochain épisode, je garde la surprise quand même un petit peu. Mm-hmm. C'est un grand aussi. Qui m'a fait l'honneur de venir. Donc l'épisode 5 sort dans quelques jours. Et puis après, il y a un single, un cul dessus. Puis après, voilà. Okay. Merci à toi. Monsieur Jean-Pascal Zadi. JP, dis-nous. Moi, j'ai mes émissions de sketch qui arrivent sur C-Star. Mm-hmm. Ça s'appelle Tête de Wham. Mm-hmm. Mais on peut déjà avoir tous les vendredis dans le Zap des sketchs de Tête de Wham que j'ai fait. Et puis je prépare un film... Un film qui va sortir bientôt, tu vas faire très très mal. Très très lourd. Avec Fabrice Eboué quand même. Oui, avec Fabrice. C'est quoi, c'est Cramé 2 J'aimerais dire sur un truc sur Pascal. Franchement, il a bien réalisé Africa Gangster. Donc chapeau, franchement. Il a Cramé aussi. Un Alpha 520 à l'honneur, quoi, tu vois. Mais permanent de la récré, c'est comment? Tu dois faire la pub pour un concert qui se passe à Villeneuve-Saint-Georges, si t'as pas oublié. Oui, oui, le 3 novembre, il y a un concert à Villeneuve-Saint-Georges, des artistes au féminin, c'est ça? C'est ça. Voilà. Aline, Lil Queen. C'est toi qui gère un peu ça avec d'autres personnes. Donc allez-y, Samuel Saint-Georges, ça sera 21h, c'est ça, 21h ou 20h30, 21h, voilà. Madame Juliette. Non, Maria.
rien de spécial, toujours la radio, la télé, tout ça, des projets, mais merci de nous avoir suivis. Congo, c'était vraiment Côte cool, d'Ivoire. On s'est amusé. Ouais, Côte d'Ivoire, DA de l'album des Kiff No Beat qui arrive bientôt, j'espère qu'on rendra à César ce qui appartient à César, puisqu'ils ont influencé largement les gens dans le rap game. Et puis voilà, et merci pour tout, merci pour vos commentaires. Les gens qui disent des trucs méchants, je me suis attardée à répondre à des trucs, j'ai été assez affligée il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, t'avais des sœurs noires ou des meufs noires qui étaient assez scandaleux, on parle des meufs noires, il n'y a pas de noirs sur le plateau. Bon, déjà, pardon d'être trop clair pour vous, mais par ailleurs, je trouve qu'en fait, les gens, tu disais tout à l'heure, il y a la violence des réseaux sociaux, en fait, et je trouve que les gens ont une facilité, même quand tu m'as interviewé, tonton, tu vois, 9 commentaires sur 10, c'était plutôt positif, mais tu vois, le 1 commentaire sur 10 où la personne insulte ta mère, ta grand-mère, ton poisson rouge, c'est d'une violence inouïe, en fait, vraiment, je ne fais pas la victime, on s'en fout, tu vois, on va pas se retrouver, ça se trouve, t'as 12 ans et t'es en Lozère, en fait, et t'es en train de m'insulter, t'as du courage grave, je suis pas certaine que tu ferais la même chose en vrai, vrai, mais dites-vous bien encore une fois qu'on le fait gratuitement, qu'on le fait pour le plaisir, qu'on le fait pour s'amuser, qu'on le fait pour fédérer des bonnes vibes, donner de l'information, donc que tous les gens qui ont envie de nous pourrir, eh ben écoutez, privé, enfin voilà, gardez la pêche, gardez votre courage d'internet et virtuel pour d'autres, quoi. Voilà, exactement. Mais ne minimisez pas la violence que ça peut être. Et surtout, en fait, battez-vous pour, jamais contre. L'amour, la lumière, voilà, plus forte que tout. Et l'union fait la force. Voilà, on est ensemble. Tonton Marcel. Tonton Marcel, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Venez manger au restaurant. Voilà, je suis un grand cuisinier, reconnu par les pairs. Mais... Quand revient le sosie de Booba, surtout, c'est les gars. Il en a marre de la France, il est au chaud là-bas. On termine. Hey, j'ai pas fini. En tout cas, je voulais dire merci beaucoup à mes enfants. Ils sont là, ils sont derrière, là, ils sont en train de s'amuser. Je les embrasse du fond du cœur. Monsieur Barberuche. Bah, moi, je voulais juste dire merci aux 3 invités qui sont là. Merci de votre présence, vraiment. On invite d'autres personnes à venir. Venez, on s'amuse. Et merci à ceux qui nous ont suivis aussi. Chris. Bah moi, pour terminer, j'aimerais remercier déjà tous les gens qui nous suivent et qui nous regardent, qui repartagent et qui nous envoient des commentaires pour nous booster, pour nous donner la force. Ouais. Donc là, il y a plusieurs médias qui sont réunis. Il peut en avoir encore d'autres, on n'est pas fermé à ça. On a Urban Heat en ouvert, justement, c'est ça. Donc là, on a RFI, on a Skyrock. On a Indaoud, on a Barberiche, Urban Cult, Urban Heat aussi. Et Divamag aussi. Divamag, on a Blackout. Il y a plein d'autres médias qui nous supportent aussi. Donc, Dédicace, Basket Blanche, Yamodo, voilà. Basket Blanche, Tupac TV. Tupac TV. Oui, Tupac TV, oui. Calme-toi. 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 Laissez Tupac. Laissez Tupac. J'ai pas fini. Laisse finir. Il y a Ultimate Mag et il y a plein d'autres médias qui nous donnent de la force. Donc on est tous ensemble. Qu'est-ce que dis aussi? Il y a Big aussi. Kunta Kinte, on sait, force à toi. Et puis voilà quoi. Continue à nous suivre, donnez-nous de la force et on se revoit très bientôt. Merci à tous. Attends, moi je remercie. Je remercie aussi les gens. Excuse-moi. Je remercie tout le monde sur le plateau, d'être venu ici aujourd'hui. Je tiens à dédicacer mon gars là, qui a une marque de sap à Sarcelles, qui s'appelle Célor. Donc allez commander, acheter Célor, Facebook, tout ce qui est là. Est-ce que c'est beau ? Attends, j'incite les gens aussi à aller sur la Bloc Contre Radio, à regarder nos interviews, dis-nous les choses et plein d'autres émissions. Aussi. Juste avant de finir, Juste avant de finir, sérieusement, j'aimerais aussi rendre hommage... Eh hey, les gars, c'est long, vous Eh, hey, bon, hey, mais toi, là. Sérieusement, on va faire quelque chose de sérieux. Il y a eu des décès qui sont passés chez nous à Grigny. Donc on voudrait rendre hommage à Maudi et Samba. Et courage à la famille Sylla, parce que ça nous a tous affectés. Donc force à vous, on est tous ensemble. Voilà. Merci à tous. À la semaine prochaine ou à je sais pas quand. Le mois prochain.